つも絶好の南国日和ですよ。さて、今日も全開気分で張り切っていきましょう。Ouais, ok, c'est bon. Ça, je m'en rappelle. Tous réveillés à la même heure. Salut. Oh, salut, c'est bon. C'est en habitué maintenant. Ouais. Ouais, salut, Kibo. T'as rechargé tes batteries? Oui. C'est bon, là. Tranquille. Ah, forcément, y a pas Emiko pour jouer du piano dès le matin, hein. Putain. Les gars, hier j'étais en sueur, j'étais pas bien. Mais bon. Ah, non mais limite, vraiment. Putain, il y a... Eh, la cuisine. Allez hop, la cuisine. Attends, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Comme d'habitude. Ah bah, il suffit de demander à toi, il suffit de demander la cuisine et c'est déjà pour les gens, à chaque fois, il y en a trop. Non, pas tout. Il y a trop là, c'est trop. Non, on s'en fout, j'ai fait à toutes les tables. S'il y a des gros, et ben. Bonjour. Jury a tout à manger. Oh là là. On a bu deux. On a bu trois. Attends. Oui. Bonjour, on est comme un. Pourquoi il y a une tronçonneuse dès le matin par contre? Oh, c'est quoi ce bordel là? C'est qui avec la tronçonneuse là? Dès le matin, putain. C'est pas, mais le dernier arrivé. Oh là là. C'est un sac, il y a des jeux et tout, vous inquiétez pas. Bon, attendez, attendez, juste un truc à dire pour les gros de la saison, je mets 3 pizzas. Voilà. Eh bah voilà, Togami t'es gros. Ok, bon. Et allez, j'en ai mangé une aussi. Il y a les pizzas. Oh putain, je suis gros. C'est toi, il regarde tout. Oublions tout ça en mangeant. Voilà, oublions tout ça en s'amusant et tout ça. Attention, vous allez tous bien depuis hier. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'ai entendu des bruits chelous, t'es le dernier arrivé. Ah bah, on est comme un roux. Il s'appelle Diavolo, c'est ça? Et j'ai bien compris. Ouais, j'étais pas là. À part, je suis Diavolo 15. Bah, hier, j'explique qu'il y a eu Yoko. Yoko qui s'est fait tuer par Emiko. Voilà. Évidemment, je me souviens de tout le monde, hein. Je sais pas qui c'est. Quand y pense. Non, Yoko, c'était la petite danseuse. C'était soit elle meurt ou soit elle. Ah ouais. Bon, elle avait pas le choix. Yoko, c'est la petite danseuse. Par contre, tu feras gaffe la prochaine fois à Peko, okay. Là-bas au fond. Ouais, je ferai gaffe, mais bon, il y en a un autre aussi qui est bizarre là, à sa gauche. Oui. Ouais, lui aussi. Pourquoi il a une tronçonneuse, lui? En fait, enlève ta tronçonneuse, il fait faire des trucs, lui. Ça fait qu'en fait, il y a deux gens, enfin, il y a deux personnes qui ont envie de tuer Kaito, on a l'impression. On a vu ça avec Kibo hier. Oula, Kibo, calme-toi. Oui. Kibo, oula. Ça va? T'es défectueux ou quoi? Oh, ça va? Non, c'est que vous me poussez contre la chaise, du coup ça me fait pas. Ok, merde, ok, c'est bon. Ça fait plaisir. Mets-toi, voilà. C'est bon, t'inquiète. J'ai vu trop de tronçonneuse. Quelqu'un veut le tuer. Attends, je te protège, gros. J'ai une obstacle. J'ai un tronçonneuse, j'ai appuyé, il tronçonneuse. Pas connard, on dit personne de mauvaise habitude. Connard. Bon, Kibo, exactement. Kibo, Kibo, oui. Tu viens avec moi, enfin. Est-ce que juste avant, je vais m'équiper justement parce que j'ai quand même peur de Peko parce qu'elle pourra peut-être me sortir sa tronçonneuse au bout d'un moment. Ah ouais, vas-y, hier elle m'a blessé donc. En Peko. Bon, du coup, que Kaito et Kibo, vous venez avec moi, enfin. Ouais, bah, je prends une hache, comme ça moi je prends des bien. Est-ce que les étages ont été ouverts? Ah, je prends mon arc. Attends, viens. Oh, je vais avec. Où ça? Où ça? Oh, Kibo et les étages sont ouverts. Moi je veux bien venir dans votre côté. Non, attendez, non, c'est juste entre moi et Kibo et Kaito parce que là on est en train de faire des choses un peu spéciales à l'intérieur de l'établissement. Bah, j'ai le droit de venir? Non. Kaito, non! Pourquoi? C'est privé. Non, si on est plus nombreux, ça risque de partir en couille. On a un groupe de confiance. Bon, viens, Kaito. Bon, du coup, qu'on récapitule tout depuis hier pour qu'on essaye de retrouver un peu les faits. Oula. Attends, Diavolo, attends, Diavolo. Attends, il est où? Arrête de vouloir gratter l'amitié, connard. Arrêtez de nous suivre. Ta gueule. Ah, il va sortir, ta gueule. Mais il va se prendre un coup de hache dans le dos, lui. Non, arrête. Bon, du coup, c'était lequel? Non, c'était les hommes. C'était celui-là. Oula, attends. Passe quoi?
Bon, vas-y. Attends. Kibo et Keito, venez. Yakuya. Non, le bordel. Yakuya, une tronçonneuse. Mais oui, on le sait depuis le début. Non, mais là, faut rester en groupe, les gars, faut rester en groupe. Ouais, venez. Attends, du coup, on va chercher la clé, laissez-moi passer là. Bon, moi, il y a le nouvel étage. Non, mais, s'il te plaît, Rantaro, laisse-nous, s'il te plaît. Ça m'occupait. Bon, alors, donc du coup, qu'on reprend ce qu'on était en train de faire ici. De base, il était censé avoir Monokuma ici, mais il avait explosé, Keito. Je sais pas si on te l'a dit. On était censé l'examiner avec Kibo, mais il a explosé. Je l'avais examiné. Ah, moi, il m'a donné un schéma secret de la piscine, moi, Monokuma. Bah, nous, juste derrière, il y a une entrée secrète, s'il faut. Ouais, regarde. Il y a ça là-bas. Là, juste ici. Attends. Vas-y, attends, passe. Attendez, laissez-moi la piscine. Voilà. Bah voilà, là c'est un peu plus haut, tu vois. Donc on va essayer une entrée secrète. On a essayé aussi avec une sorte de keycard d'ouvrir un truc, mais on n'a rien eu au final. En fait. On a réussi à ouvrir le truc, mais on a rien eu. D'ailleurs, attendez, venez avec moi. Mais pourquoi tu restes ici, Rantaro? Bon, je pense qu'il y a un genre de pécouille. Qui va? C'est un peu comme ça en dessous de là. Salut Diablo, salut Ryuma. Ah mais arrêtez de bloquer la route, merde. Okay. Allez go. Vas-y Keito. Par contre, ils peuvent arrêter de nous suivre les autres. Faut arrêter de nous suivre les autres. De Byakuya. Autour de Byakuya, je pense que. Non mais, oui. Tu vas me transformer en Hachi, ma gueule. Arrêtez de nous suivre, mettez des cartes de cul derrière. Recule. Keito recule. Bon, le gars derrière là. Les gars, enfin, moi je m'en fous de mourir. Moi je suis un robot, moi je m'en fous, donc. Toi derrière, tu vas te calmer. En fait, on est trois sur toi là actuellement. Donc, soit t'arrêtes de nous suivre et tu le laisses faire le rien d'affaire. Soit on te fusille en fait. Parce que là, clairement, on est en train de faire des choses dans l'établissement. Donc, tu vas nous laisser au bout d'un moment. Tu te fais ami avec d'autres personnes. T'es pas obligé de rester que avec Keito. Nous, on est en train de faire des choses spéciales. On est juste un lien d'amitié très fort. C'est tout. Donc, t'arrêtes de nous suivre, c'est tout. Un point barre. Bah non, arrête de vouloir gratter l'amitié, tu casses les couilles. Putain. Mais ta gueule. Bon, toi je vais te mettre une balle dans les pieds comme ça au moins tu vas la faire. Moi, je m'en fous. Rantaro, je m'en fous si tu mets à terre Monokuma. On est deux sur Monokuma, toi là. Monokuma répare par derrière moi, donc Non, il y a rien à te réparer. Monono n'a pas le droit de me blesser, mais de me réparer c'est pas interdit. Bah non, il va pas te réparer. Si, il peut, il a le droit. Attends. Mais lui, oh putain, va y avoir un meurtre ce soir. Il a tenté de tirer une flèche là. Ça a tenté de tirer une flèche là. Bon, vas-y. Ah non, c'est devant. Ok, bon, attendez ici. Vous pouvez avancer. Ouais, donc du coup, ici en fait, c'est ce que je t'avais dit, Keito. Ici, ça va certainement être ouvert. Enfin, ça va certainement être ouvert aujourd'hui. Enfin, j'imagine. À chaque meurtre, il y a une salle qui s'ouvre. Donc j'imagine que ça va être ouvert. Voilà. Ouais, c'est pas Rantaro, ça va, c'est bien couillant. Ouais. Oh non, c'est pire, courez. Mais arrêtez. Non, attends, Keito. Non, vraiment, mais Keito, écoute-nous. Si tu veux vraiment écouter, Keito, tu restes avec nous et t'arrêtes de suivre. Enfin, tu nous suis, soit tu. Coco. On te dit rien, et donc du coup, moi je reste avec Kibo. Parce que là, au bout d'un moment, tu fais que de courir. Enfin. Là, on essaie de t'expliquer plein de choses. Putain, mais il est dangereux, bien plus là. On est à 3. Personne derrière toi, bien couillant. Vérifie, s'il te plaît. À droite. Yeah. Enfin, par contre, là depuis tout à l'heure, il y a tout le monde qui me suit. Genre, ça devient chiant. Le problème, c'est que là, on doit rester avec Kibo et toi parce qu'on avait fait un truc hier. Il faut qu'on continue cette chose sans que les autres le sachent. Parce que sinon, ça va beaucoup de problèmes. Il est là, Kibo. Non, Ryuma, est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Qu'on finisse le truc qu'on a à faire. Ouais, Kibo. Ah. J'ai eu un peu mal, par contre. Vas-y, avance. Désolé. Non, là-bas c'est le sauna. C'est le sauna. On se croyait dans un jeu d'horreur. Ouais, putain. Attends, Kibo. Eh oui, attends, Ryuma, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Attends, attends, Kaito, Kaito, vas-y, 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 attends. Bah non, attends, Diablo, recule. Ah putain, mais t'es pas... Allez, Kibo, on t'attend au gymnase. Sortirez où du coup? Je connais pas le labyrinthe. Ah ok. Ah ouais, bah merci. Ok, bon. Kibo, on est dans le gymnase. Dans le gymnase, là. Voilà, je suis là. Bon. Du coup, là maintenant ce qu'il faudrait faire c'est qu'on essaye de savoir ce qui se passe en fait dans l'établissement. Donc, attendez, faut que je me recharge un peu, attendez, faut que je me recharge un peu. De quoi, comment ça, tu te recharges? Là, là, là. Si, si, parce que mes batteries sont pas illimitées quand je suis en déplacement. Ah bah... Parce qu'il faut que je fasse mes calculs et tout le temps. Genre t'es pas, tu te mets en mode dormir. Non, 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 mais t'inquiète pas, mes batteries se rechargent assez vite, c'est juste, faut un petit temps, c'est bon. Mets-toi dans ta chambre alors s'il faut. Mais non, mais non, mais ouais, c'est bon, je en fait il parle de sa batterie, genre pour courir. Ah. Ouais. Ah tiens, la clé. Ah bah ouais, elle est là. Non, ah bah... non, ça c'est la clé menant à la buanderie. Eh bah justement, on sait jamais. Tu fous quoi là? Attends, ouais, attends, j'ai juste acheté des trucs. Quand vous fabriquez, vous avez des documents, vous faites quoi avec? C'est quoi, vous avez pas informé les autres? De quoi? Vous avez trouvé un corps de monocuma, on... Alors... faites quoi avec? Non mais, t'avais qu'à être là hier, c'est tout. Bon bref, bah non, moi je veux savoir si t'es pas avec. T'as tenté de faire quoi, toi, fils de mec? T'as tenté de faire quoi? Non, je veux savoir si t'es avec. Bah je veux savoir si t'es avec. Aïe, moi j'ai rien fait, bordel de merde! T'as qu'à te soigner! C'est pas moi qui a tiré sur toi! C'est pas moi qui a tiré sur toi! Tu t'as tenté de faire quoi toi là-bas? Putain de bâtard! Bon, lui je vais le saigner! J'ai rien fait moi! Diabolo, quand on est flèche dans la jambe, on ne marche pas! Quand on est flèche dans la jambe, on ne marche pas! Si, putain, je peux marcher, je me souviens de me mettre un bandage là! Et de la morphine d'ailleurs! Ah la vache! Voilà! Il s'est mis à bandage là! Et de la morphine. Ça se tue, ça se tue. Putain, ok, ok, Togami. Alors, vous le gardez tout. Non, c'est bon, je me suis soigné. Bon. Non, c'est bien. Non, alors, non, mais. Alors, là par contre, on va fixer les règles tout de suite. Ceux qui ont confiance en Diavolo, moi et Kaito, vous restez ici. Ceux qui n'ont pas confiance, vous vous cassez. Moi, j'ai pas de Non, je sais, c'était pas réflexe que je fais. Moi, je veux juste te poser des questions. Ouais, t'inquiète, je comprends. C'est juste, je t'en veux pas. Moi en fait, si tu veux, en gros j'ai vu Byakuya te tirer une flèche dessus. Et du coup après je t'ai vu, tu m'as tiré dans la jambe mais je savais pas pourquoi. Ah parce qu'en fait par réflexe j'ai tiré comme ça en pensant que c'était tout gagné. Ah ouais mais t'inquiète pas, j'aurais fait la même chose, je comprends. Moi je veux juste te poser des questions parce que je trouvais ça un peu bizarre que chacun reste dans son coin. Je trouvais qu'on devrait plutôt rester unis, c'est un peu mieux quoi. Putain, c'est bon. Si Nagito ou pas, non, Nagito il dort toujours si tu vois. Bâtard, venez avec moi. Au passage, attends, Diablo, je lui explique un truc. Rantaro, si t'as pas compris pourquoi on se trimballe à 3, c'est pour éviter qu'il y ait un meurtre, ok? Parce qu'en fait, on reste tout le temps à 3, comme ça au moins, s'il y en a un d'entre nous 3 qui meurt, on sait que ça. Non, mais t'inquiète, je comprends, c'est compréhensible. Bon, venez. Ah, donc maintenant, les gars, arrêtez de forcer, s'il vous plaît. Bon, ils sont chiants. Je vais refaire des potions pour nous. Et par contre, Kuya, lui, il va se faire défoncer sa race. Oh ouais, putain, lui, je le revois, je lui mets une balle dans la jambe. Attends, non, c'est surtout, t'as pas un gros somnifère, lui balancer dans la gueule au pire. Vas-y, regarde, il est au vendeur d'armes. Ah, putain, il est à Monono. Je me fais mal. Attends, je te fais une potion. Vas-y, fais des popos d'armure, s'il te plaît. Tiens. Merci. Et vas-y, une pour Kaito. Tiens, Kaito, il a Kaito boit. Non, mais bois. Non, mais il a déjà. Merci. Ah bah, elle m'a retiré un produit, moi, je n'ai que lui d'armure. Ouais, c'est normal. C'est normal. Bon. Du coup, il est là-bas. Pointez tous une arme sur lui. Oh, toi là. Pointez une arme sur lui, s'il vous plaît. Attends, Oriyama, attends. Oh, Togami. Oui, vas-y. Retourne-toi, Togami. Il va l'acheter. Togami, prends juste une machette parce que c'est que là-bas il y a un gars, il veut se bastonner avec tout le monde et du coup j'ai. Je prends ça pour me défendre. Ah, mais non, mais c'est Togami qui veut se bastonner avec tout le monde. C'est lui qui m'a mis une flèche. Ouais. Oh là là. C'est pas lui, c'est un autre gars qui est là-bas.
Hein? Attends, bah attends, je vais aller le voir. Au pire, attends. Au pire, attends, tu vois, je vais juste lui faire chier, regarde. Je pense pas qu'il est en hémorragie. Allez, on va au gymnase. Il est pas en hémorragie. Je sens qu'il va y avoir un meurtre ce soir, et il va être fait de manière... Ah non mais là, je pense que le meurtre il va être très très rapide. Et surtout qu'on sait direct qui c'est qui va le faire. Bah ouais, j'imagine. Je vois non. Je vois les enjeux qu'il va y avoir aujourd'hui. Et la fameuse motivation. Reiko. Tu peux avancer s'il vous plaît, s'il vous plaît. Georges. C'est bon, toi, excusez-moi. Oui, Georges. Petit problème de force mentale, voilà, je comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il est là? Test 1-2-1-2. Est-ce que tout le monde m'entend? Test 1-2-1-2. Ah, je vais pouvoir mettre ma petite musique. Mais attends, je cherche mon chumbox. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Nagito? Regarde autour, regarde un peu. Oh, viens-toi. Tada! Et pour une fois, j'appelais ici. Alors, pour une fois, venez tous, on va un petit peu changer. Alors, venez. Je rigole, ah, bien évidemment, c'est une petite blague de ma part, désolé. Ah, je suis désolé. Je m'en excuse d'avance. Alors, je voudrais faire un premier temps, Oh, je sais que j'ai pas été très gentil au précédent, hier et tout. Je voudrais m'excuser. Et oui, je voudrais m'excuser envers vous tous. C'est-à-dire que je vais vous donner... Je vais vous ouvrir le deuxième étage. Est-ce que vous êtes tous contents? Enfin. Vous avez droit à un petit quelque chose. Et comme je suis sympa, je vous donne une nouvelle motivation pour tuer. Et vous savez ce que c'est? Ah, tout le monde aime bien ce truc. Devinez qu'est-ce que je vais vous donner. Tout le monde aime et tout le monde l'utilise. Qui suis-je? L'argent. Ma douche. Exactement. La motivation aujourd'hui, si quelqu'un tue quelqu'un, gagnera en tout. Allez, je peux être sympa. 500 000 et encore, on peut s'arranger. Non. Et je peux même encore donner plus s'il faut. Tout cet argent appiendra au celui qui tuera quelqu'un. J'ai 2 millions, qu'est-ce que je m'en fous? En plus vous sortez et en plus vous êtes riche. Ah mais t'inquiète pas, quand je te mettrai les billets en face, tu vas voir. Cassez-vous, Si personne tue personne, bah ça restera comme si ainsi, jusqu'à le restant de votre jour, et quelqu'un finira par mourir de vieillesse, ainsi de suite. Je vous l'ai dit, soit vous tuez personne, hein, tel est votre choix. Hein. Bon. Voilà, tout ce fric, rien que pour vous. Est-ce que quelqu'un ça veut fait sortir pas 500 000, ça, toi, ça fait toi, pratiquement 2 millions. L'argent. Toi, viens sortir l'argent, toi. Viens sortir l'argent. Il n'a rien sorti d'argent. Sentez-le, ce mobilier là. Magnifique, n'arrive pas. Voilà. Bien sûr, cet argent ne peut pas être volé. Elle est actuellement sur Canada. Donc celui qui essaie de la voler aura affaire directement à moi. Voilà tout. Tout cet argent règle pour vous, pour celui qui... Mais en fait, attends, Monono. Ok, on tue, imaginons. Là, je tue une personne d'entre nous tous. Je gagne directement l'argent ou c'est après le classe réel? Tu gagnes directement l'argent, mais discrètement. Ça veut dire que je te donnerai après le vote. Après le vote? Voilà. Après le vote. Oui. Donc après le classe réel. Mais du coup, dans tous les cas, on a l'argent. Du coup, on peut s'arranger. Si vous me promettez que vous tuez tout de suite, je vous donne directement l'argent. Tout de suite, dès que vous avez tué quelqu'un. Hein, si vous êtes non. Enfin, oui, Rantaro. Non. Et du coup, si la personne gagne l'argent mais après c'est exécuté, du coup c'est un peu triste pour lui, quoi. Ah mais après c'est à lui d'être malin ou pas. Sachez que c'est qui tout doux, comme on dit. Ouais. Après je peux donner je peux donner à sa génération précédente, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, à sa génération précédente. Sa génération suivante plutôt. Ah oui, c'est vrai, ah, vous savez, je suis mat et tout là. Et je m'en veux, j'ai fait des cauchemars en maltraitant Diavolo et tout, et avec le fusil à pompe et tout, je m'en veux terriblement. Du coup, je voudrais m'en excuser, et je serai très sage, je vous le promets. Ah, c'est ça de la vie, tu promets cette fois que tu vas pas nous tirer au fusil à pompe?
non, je vous promets, je vais faire un câlin. Ah, tellement bisous, bisous. Je suis un robot, tu risques pas d'aimer ça, mon pote. Ah, mais moi je suis tout doux, donc ça passe. Ouais, je suis gentil. Alors, voilà tout, vous pouvez disperser. Bon, Kaito, Diavolo, direction étage 2. Allez-y. Tout le monde à étage 2. Kaito et Diavolo. Kaito et Kibo, j'ai des choses à vous dire concernant l'étage 2. Bah du coup on va avoir un nouvel étage après, je vais aller le visiter. C'est ouais c'est ici, attends, vas-y, essaye de l'ouvrir, attends. Attendez, je vais faire Walt Disney, je vais voir Walt Disney, attendez. Attends, il va faire Walt Disney. Qu'est-ce que tu vas foutre? Il va faire Walt Disney, je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu dois frapper? Tu vas te niquer la main, non? Non. Je suis Walt Disney, je suis apparu. Akada, boum. Attends, chantez avec moi. Kada, disparaît. Allez, chantez avec moi. Kada. Ouais, allez, bon passe. Allez. Kada, dans ma bras. Voilà. Je vous laisse. Vas-y, ici, ouais, donc on avait. Il y a des mailles. Putain, il est pas là. Bien voilà, tu cherches quoi? Quelque chose. Putain, il a mis où? Fais chier. Un charpé, tu cherches quoi? Un badge. Je sais pas, je vais faire un harness en rouge. Mais y'a un autre étage, y'a un autre étage. Diavolo, Diavolo, à propos de ce que tu cherches, de ce que tu cherches, Diavolo. Oui, on sait. Là, on cherche quand même. Non, le pass il est pas au deuxième étage. Il y en a un rouge et un vert. Oui, on sait, rouge, on sait, buanderie, ça c'est pour la buanderie, pour les toilettes. On le sait, on l'a déjà fait ça. Mais il y en a un autre? Oui, il y en a un autre. On sait pas est-ce qu'il un est. Un troisième? Ah, je savais pas. Je vais vous aider à chercher. Faut voir avec Kibo, c'est pas à moi de voir. Je sais, il y a peut-être un endroit où il pourrait être. J'ai peut-être une idée d'un endroit. On a cherché partout. Diavolo, il y a peut-être un endroit où ça passe. D'accord. Bah viens Diavolo, viens. Ouais. Il y a un endroit où j'ai peut-être une idée, attends. C'est par là, attends. Je crois que c'est par là. Oh putain, c'est horrible. J'ai eu peur, putain, je te jure. Bon, il faut peut-être, je crois... Attends. Là-bas, je pense. Dans la salle d'art. Je vois rien. Il y a encore une autre salle. Il y a la salle d'art là-bas, les gars, avec déjà des marteaux bizarres. Déjà regardé. Ah, ça doit être là-bas. Ça doit être là-bas qui vaut. Enfin, Kaito. On y va. S'il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être là. Pourquoi? C'était quoi ce bruit? Attends, c'est qui? Ah, c'est vous, les gars. Ah, faites attention. Nagito. On a déjà fouillé, y'a rien ici. Y'a rien aussi là où j'ai fouillé. Attends, viens tout le monde. Par contre, cette salle, elle me dit quelque chose. C'est quoi ça? Non, c'est pas un boîtier électrique, les gars, il fonctionne pas dessus. Taper dedans, ça rien. C'est ça. Ah non, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Ah, attendez. Les gars, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça te va, Nagito? Ah, salut. Ça va, ça fait un petit moment, c'est pas bien. T'as trouvé? Non.
À part des composants électriques qui pourraient m'être utiles, y'a rien d'autre. Il y avait une autre valve, elle est en haut. Ouais, non, mais on a essayé, ça sert à rien. Ah, c'est qui qui a les lumières tout à l'heure? Les gars. Bon, je trouve pas la salle d'art, on n'est pas allé à la salle d'art. Déjà fait la salle d'art, déjà fait. Mais pourquoi il y a des statues monocles? Oh putain. Il aime bien le style, hein. Attends. Diablo, t'es venu ici? Une salle d'art. Oui, déjà fait, en haut déjà fait. Enfin sur le côté. D'ailleurs, il y a un conduit en haut. Viens avec moi, Kipo, on va aller vérifier le conduit. Ah mais c'est ce que j'allais faire, tiens, je vais sortir le... Kibo, viens voir. C'est pas rien dans les... Fais gaffe, ici dans ces conduits, il y a moyen qu'on fasse une très grosse connerie. Et là, il faut se rattraper. C'est un trait, genre, regarde bien. C'est vraiment profond. Donc si on se rate, on a une hémorragie et une fracture. Oui, bien sûr, je crois. Ok, oui. Ok, peut-être. Donc tu te prends bien. Éviter d'avoir une hémorragie. Une... Attends, je vais en dessous, vas-y, saute s'il faut. Sauter, vas-y, vas-y, ben. Ok, go. Ah ouais, là ça nous mène en bas. On est directement en bas. Ah, ça nous mène. Attends, on va chercher la clé, on sait jamais, on va peut-être aller là en haut. Ouais, la clé rouge, ouais. Peut-être. Ouais, mais je pense que ce sera pas dans les conduits d'aération la clé. Rantaro, s'il te plaît. S'il te plaît, Rantaro, sois gentil, ferme ta bouche. J'avais mis où déjà la clé? C'était là-bas. On l'avait mis, attends. Attends, j'ai une idée, j'ai une idée. On va essayer un truc. On va essayer un truc. On va essayer la roue sur le pass. Ah, attends. Vas-y, vas-y. Ah oui, la salle de billard. Ouais. Ok, bonne idée, ouais, bonne idée. Je veux si ça marche, je t'appelle. Par contre, Rantaro, depuis quand tu fais partie du groupe? Bah, en fait, j'ai décidé en fait de vous aider à trouver le truc là qu'il a dans les mains, Diabolo, pour savoir ce que ça pouvait ouvrir, peut-être. Parce que j'étais aussi un peu resté, j'aime bien tout ce qui est un peu mystérieux. Mais là, ça pourrait être. De base, ça ouvre la buanderie. Attention, attention, je trouve pas, c'est vrai, attention. Non. Putain, c'est la verte, c'est la verte, c'est la verte. Peut-être qu'il nous faut la verte, ouais. Attends. Ouais. Non, c'est pas la verte. C'est à coup sûr, c'est pas la verte. Ça m'étonnerait. Je regarde bien partout s'il y a pas un truc que j'avais loupé, mais non. Bah non. Bah moi je te dis, reste pas avec eux, hein. Ouais, ils font des... Kaito, viens. Pas avec eux, moi je te le conseille, hein. Kaito, viens. Fais croire ma chance, hein, croire ma chance, comme on dit. Kaito, viens. Kaito, Ikibo, il est où, Kibo? Allez, viens. Je comprends pas l'autre chanceux. Tu peux arrêter s'il te plaît, Rantaro, là on doit faire un truc vraiment. Rantaro, il avait dit crois à ma chance, mais en fait qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train d'essayer de chercher les énigmes. Non, c'est lui qui a Nagito. Posé ces trucs là. Nagito qui a dit ça. Bruit. Non mais tu peux. S'il te plaît, s'il te plaît, Rantaro, s'il te plaît. Au pire qu'il vient, on se passe. Bon c'est quoi qui bon, on y va sous l'eau, on les laisse. Y'a pas quelque chose derrière ces rideaux? Ouais, cherche derrière le rideau. On peut pas y aller. Putain. Y'a rien. On a vérifié dans la salle de bain, enfin dans le sauna, s'il y avait pas une clé. Non ouais, parce que elle attend moi là. C'est Monono qui la pose au pif. C'est vrai qu'on essaye de voir. Attends. Le sauna c'est par là-bas. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas grave. Putain, c'est vrai. Prends l'œil. Bon, là, on est deuxième étage. Attends, je vais recouper le courant. Ah, ou à moins qu'il a déjà été coupé. Non.
pas trop d'utilité, mais ouais. C'est juste pour leur faire chier. Ouais. Je peux rester avec vous. Ah bah ils sont... Ah bah vous... Ah peut-être dans la piscine. Attends, attendez, s'il vous plaît. Viens Kibo. Non, on va quand même vérifier les premiers endroits qu'on a dit et puis après on verra. Non mais Kaito, restez ensemble, restez à 3, moi perso je vais rester avec Kibo. J'ai pas envie de risquer ma vie comme ça. Je préfère rester avec toi. Non, c'est surtout que moi j'ai confiance en toi, donc... Et t'es loin d'être un salopard, donc ça va. Dans tous les cas, je m'en fiche de l'argent, moi j'ai pas que ça qu'à faire, de toute façon je suis pété de thunes déjà de base. Hein. Et surtout que moi, tu veux que ça me serve à quoi l'argent? Tu es un robot. Ah, il me dérange pas, cassez-vous, vous, là. Tu es un robot, moi, j'aime lui, ça. Lui, il a vraiment un souci, genre je vais le calmer en 5 secondes. Lui. Bah, Yakuya n'a pas bougé. Attends, je vais recouper l'électricité dans la buanderie. Cherche, attends. Pardon. Un robot qui éternue, nouveau ça. C'est pour vider la poussière. Bien vu. Bon, y'a rien. Non, y'a pas l'air d'en avoir. Attends, ce compartiment là c'est fermé. Y a... Ah, c'est chaud, putain. Et bah au moins toi tu peux aller dedans. Ah quoi, mais non, c'est moi, je suis waterproof. Ah putain, fait chaud. Oh ça va, ça je le sens pas. Hajime, Diavolo, ouais. Est-ce qu'on a vérifié au-dessus des casiers? Vas-y, je te fais la courte échelle. Oui. Y'a rien? Non. Imagine pas que la clé peut être dans une chambre, ce serait... Ce serait pas du style de mon commun. Enfin de monono. Non, y'a rien ici. Rien au-dessus. Ok, bonjour. Vous cherchez encore la clé? Oui. Okay. Bah nous on a toujours rien vu avec Kaito. Okay. Ah bah. Mais pourquoi les bases sont encore fermées? J'ai une clé, Diabolo. Non, je me suis fait. Oula, attends. J'ai la clé verte. Ah ouais, non. On peut peut-être essayer quand même. Si ça se trouve, il faut peut-être les deux clés. Ouais, c'est juste faire regarder. Ah! Attends, mais moyen de le savoir, attends, viens. Parce que sur le boîtier, il y avait deux petites lumières. Ah, les gars. Il y avait deux petites lumières. Si sur le boîtier, il n'y a qu'une seule lumière, ça peut peut-être dire qu'il faut les deux clés du coup. Ça trouvait pour la carte verte. Oui. Non, il y a aussi deux petites lumières. Mais pose-lui ici, c'est la rouge. Attends, je me. C'est la rouge. Ouais, voilà. Faut chercher la rouge aussi. C'est pas grave. Il faut la rouge. Attends, il faut la rouge, ça marchera pas. Non, ouais, de base, c'est un coup de. Voilà, de pied de biche. Bon, attends, je coupe l'électricité juste pour la refaire chier, pour qu'elle meure plus facile. Non, voilà. Mais non. Vas-y, rouvre. Oh. Kaito. What? Ok. Kibo, viens. Kibo. Ouais. Je suis là. Vas-y, viens. Nagito, qu'est-ce que tu fous là? Attends. On va le mettre dans ma chambre. Vas-y, pose-le. Pose-le, ouais, voilà. Je vais fermer, vas-y. Vas-y, viens. Ok. Si je vois ma porte défoncée, je te promets, c'est un de vous deux, toi ou Ryoma, parce que vous êtes le seul à savoir qu'il y a, que c'est là-dedans. Mm. Oui, non, mais moi, non, j'essaierai pas de le prendre, hein, mais c'est toi qui l'as créé, il est à con. Moi, je veux juste être là quand tu vas l'utiliser, c'est tout. Pour voir ce que ça va faire. Ah, nice. C'est quoi ce bruit, mais, putain? Non, c'est quelqu'un qui... Mais laisse-le, on s'en fout, de toute façon, qu'il y a des bruits ou pas, ça prouvera qu'il y a un meurtre, et au moins, on aura entendu, on aura un alibi. Ouais, j'avoue. De toute façon, les meurtres, c'est bien. Dans la cuisine, moi, j'aime bien les meurtres. Ouais, allez, c'est reparti pour couper l'électricité. Ouais. Non, Diabolo, oh, mais arrête. Diabolo, oh, on peut pas, non, putain. Diabolo, peut pas. Oui, bah non, même le c'est ça. Ah, Diabolo, non. Diabolo. Pourquoi? Ça fait un petit peu chiant, surtout. Mais en fait, ah, mais c'est marrant, au moins il y a des meurtres faciles. Je rêve où j'ai vu Nekomaru avec un.
Non les gars, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il a une lampe, Il a une lampe torche. Putain, j'allais continuer, écoute-moi. Un demi. Peut-être qu'on a mal fouillé le deuxième étage. Le deuxième étage, vous l'avez pas fouillé encore? Si, on l'a fouillé, mais j'ai mal le fouiller. On l'a mis où, des ailes rouges, Kibo? Au billard. On l'a laissé en haut, au billard. On l'a laissé en haut sur le billard. Mais après le truc rouge il marche pas pour la salle de billard, du coup il doit marcher pour l'incinérateur, je pense. Oui, le truc rouge c'est pour l'incinérateur, le truc bleu c'est pour les toilettes. Diavolo. Ah oui, merde. Tu vas où, Diavolo? Sur la droite, j'ai vérifié, il y a que des salles de cours. Non, c'est là le billard. Il est là, il est sur en haut, normalement. Ah, c'est ça, c'est bien. Attends, je peux pas sauter. Attends. Putain, forcément, j'ai niqué moi. Ok, go. Tiens. Go. C'est parti, écoute. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu. Je crois qu'il va être au premier étage. Kibo, il est où? Putain, je pense qu'il est parti à la piscine. Il est parti à la piscine. T'es sûr? Ouais. Mais un robot, ça peut pas nager. Il est waterproof. C'est logique. Waterproof. Ah, il est waterproof. Ah, ok. Il est où, Kibo? Tu l'as vu? Je pense à des cousins. Bah, c'est toi dans en haut, peut-être. Bah on a essayé de chercher un peu partout, il y est pas, et s'il est mort là c'est un peu dans la... on est un peu dans la merde. Parce qu'un robot, un robot avec un ultime robot avec nous, ça aurait pu être grave un... ça aurait pu être avantageux à notre faveur. Ouais. Bon, en tout cas on sait que s'il est mort ça peut pas être toi, moi ou Kéto. Dans la librairie. Dans la librairie. Moi la tronçonneuse de Bah attends, je vais aller chercher Kibo, attends. Je vais tirer des balles pour voir s'il entend ou pas. Bon, il a entendu ou... C'est pas s'il a entendu. Oh, je pense qu'il... Je sais pas s'il a entendu. Je vais lui dire rendez-vous dans ma chambre. Tu reverras. Je sais pas si on a un chat qui permet de communiquer entre... Communiquer si, normalement, on a la tablette pour communiquer entre nous. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Bon, moi, je peux pas trop courir, là, je suis un peu essoufflé. Faut que je reprenne un peu mes forces. Allez. Pourquoi il y a une horloge? T'as laissé le truc vert aussi. Ouais, t'as le rouge et le vert. Bah ça va, t'as les deux. Non, faut qu'on sache où est-ce qu'ils sont les autres. Ouais, mais je sais pas ils sont où. C'est un truc qui sont là-dedans. Non, je l'ai pas vu. J'arrive, attends. Attends ici, voir s'il y a Kibo, et dès qu'il y a Kibo, tu lui dis que je suis dans la réserve. Ok.
Y'a rien. Ok, il est là. Il est dans les... Alléluia. Alors, tu l'as trouvé? Non, je suis là. Non, on toujours pas. Partout, hein. On cherchait partout. Bon, perso, j'ai J'ai vu Biakouya se promener avec une tronçonneuse. Pour calme. Biakouya se promener avec une tronçonneuse. Il en a une. Oui, mais allumé et prêt à nous déchiqueter. Ah, je vois, d'accord. Bon, bah, on verra, de toute façon, ça va être écrit tué par une tronçonneuse, dans tous les cas. Oui. On dirait quelques PQLV qui en avaient, qui en ont une normalement. On peut pas farmer, non. On peut peut-être demander un indice à Monono, qui sait. Ouais, mais bon. Monono, je pense qu'il s'en fout un peu. Hein. Lui, il a posé ça en mode ok, bon, voilà, ils ont juste à faire ça. Mais si tu regardes bien dès le début, quand on avait ouvert la première salle, il y avait que dalle dedans. On aurait pu demander à Monono si on pouvait avoir des choses, mais ça m'étonnerait. On aurait pu y avoir. Je pense que si vous lui demandez quelque chose, il va vous demander en échange de tuer quelqu'un, de toute façon. Ouais, dans tous les cas. Il va dire donnant, donnant. Voilà. C'est ça, mais en échange un meurtre. C'est ce qu'il va dire. J'essaie de voir au magasin sur plan. Peut-être qu'on te demande d'une sucette. Bon, attends, je vais aller au magasin, je vais demander à mon nom. La table d'audiovisuel, c'est pas mal comme endroit. Le magasin, c'est pas mal. Ah, il faisait une canette. Non, je regardais s'il n'y avait pas... Non, moi, j'appelle juste Monono pour lui demander si on peut acheter telle et telle chose ou avoir un deal sur telle et telle chose pour combien. Pas bête. J'espère qu'il va pas demander contre un meurtre. Non, un magasin... Ça, c'est trop facile, acheter, je pense. Justement. Bon, oh, il fait quoi, Monono? Il est un peu long. Je sais pas. Ah bah, il est là. Monono, en fait, on a une question concernant une pièce manquante dans une salle. Est-ce qu'on pourrait savoir où est-ce qu'elle est pour en échange du coup de monocoin, vu qu'on est au magasin, ou avoir un indice pour en échange de monocoin? Non, c'est un meurtre. Ah. Voilà. Je vais répondre à cette question en échange d'un meurtre. Il n'y a pas de souci. Non, bah du coup, laisse tomber. Désolé du dérangement. Et contre une sucette. Sait-on jamais. Ouais. Non, c'est pas grave, Monono, merci quand même. Bon bah du coup, bonne observation. Bon, du coup c'est mort. Où est-ce qu'on n'est pas allé voir? Je sais pas, là-dedans... Dans la piscine, tout le monde est allé voir, je pense. Viens, Akibo, viens. Déjà vu là-dedans. Ah, on n'est pas allé à la piscine. Sait-on jamais. La salle d'art plastique. Fermez la porte. Salle d'art plastique, déjà vu. Par logique, on a trouvé le premier badge pour aller dans la buanderie au premier étage. Le deuxième badge pour aller du coup dans les toilettes, on l'a trouvé. Bah, on l'a trouvé dans l'infirmerie. Ouais, non mais Nagito, non mais. La chale, l'infirmerie, c'est pas pour toi là. Nagito, une machette. Je reviens, Nagito, une machette. Vérifie, on a peut-être pas bien regardé ici. Non, cet endroit là, c'est là où il y a le pack rouge et le vert maintenant. Monono nous a pas Monono nous a interdit de le voler. Attends. Non, touche pas. Ouais, tu peux. Non, je ne touche pas, je regarde. Ça m'étonnerait que tu sois. Non, y'a rien. Sait-on jamais, Mono. Maman, le pack vert et rouge est là. Il est là. Non. Il a jamais été ici. Si, maman, ils sont là. Non, vraiment. Le truc rouge de base, il est à l'infirmerie et... Mais... Diavolo, est-ce qu'on a essayé de mettre les deux cartes ensemble? C'est inutile, c'est littéralement inutile pour moi. C'est ton jeu. En fait, non, parce que... Il y en a un... En fait, chacun doit ouvrir un endroit particulier. Donc, par logique, troisième étage, ça doit... Il doit y en avoir un... Attends, je vais regarder. Ah non, on n'a pas le droit. Je suis excusé, je m'en fous. Non, t'es considéré comme un homme, n'oublie pas. Bah oui, putain, c'est vrai, il est chiant. Bon, là-dedans, peut-être. What? J'ai entendu. Pourquoi il y a une tronçonneuse?
Vous le laissez si tu le prends pas. Tu le prends pas, tu le prends pas. On le prend pas, on le prend pas. Ah non, je le prends pas. J'ai dit, je regardais. Okay. Okay. Non, on y touche pas. Je le prends en photo, je le prends en photo quand même. Je le prends quand même en photo. Ben non, quoi que. Vas-y, vas-y, y'a pas de problème. Et ça, ok, je l'ai mis dans ma pocket. J'ai mis dans ma pocket. Ouais, j'espère que tu l'as mis dans ta pocket. Ouais, c'est bon. Parce que ça peut être un indice, ça peut être un indice important. Ouais, parce que là peut-être quelqu'un a déjà fait un meurtre et il a déposé son arme. Pour éviter toute. Et le seul qui avait une tronçonneuse, c'est Byakuya. Oui, c'est Byakuya. Attends, viens, on va demander à Byakuya s'il a toujours sa tronçonneuse parce qu'on en a besoin pour détruire quelque chose alors que c'est littéralement fou. Venez. Oui, oui. Oui, bonne idée, il y a du sang. Diavolo, il y avait du sang. Ok, t'inquiète. Non, on est passé. Oh, allez tous chercher Byakuya. Allez tous le chercher. Moi, je vais. Quelqu'un reste au premier, quelqu'un reste au deuxième. Moi, je vais répondre. Je vais au deuxième, du coup, Diavolo. Vas-y. On se donne rendez-vous à la fin. Oh, putain, mais. Je peux pas sauter, fiche. Diavolo. Attends, il y a quelqu'un. Byakuya, on se donne rendez-vous. Dans les chambres. Non, il va pas tout seul. Mondo. Il va pas tout seul. Est-ce que t'as vu Byakuya ou pas? Ouais. On a trouvé une tronçonneuse dans la bibliothèque. Et on se demande si c'est pas Byakuya. Pas du tout. Ok, on t'a. J'ai entendu vos grandes gueules dans. J'ai entendu la grande gueule des gens dans la piscine parce que j'ai trouvé un passage secret. Moi, y'a quelqu'un qui se noie, attends, putain. Un endroit. J'entends quelqu'un se noyer depuis tout à l'heure. Non, attends, c'est pas là-dedans. Attends, ça doit être à l'intérieur. Putain, fais chier. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a un meurtre hein, en ce moment, mon dos. Moi, je connais un endroit pour faire un meurtre parfait. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, putain, attends. Putain, il est pas là, fait chier. Bon, Pierre, tu peux aller voir Mondo de ton côté, voir s'il y a Byakuya. Et dès que tu le vois, tu lui dis, est-ce que t'as encore ta tronçonneuse? Il ressemble à quoi? C'est le gars avec ses cheveux blonds là, et son costard. Bah, je vais me balader avec ma lampe torche et mon pistolet parce que s'il me sort une tronçonneuse dans un conduit. Non, mais non, non, si c'est sa tronçonneuse, regarde, j'ai ça. Regarde. Je l'ai trouvé sa tronçonneuse en fait. Moi je l'ai depuis tout à l'heure, je l'ai gardé dans ma poche. Ah ok. Bon, on sait jamais, il peut être dangereux. Ouais, tu lui demandes quand même s'il l'a et s'il l'a pas, ça veut dire que c'est sa tronçonneuse. Et dans ce cas-là, donc du coup, je l'aurai. Et j'aurai du coup un alibi. Bon, merci à toi. Putain, mais Byakuya, pourquoi tu sens? Byakuya. Byakuya, what the fuck, c'est quoi? Mais quel truc du cul? Non, mais non, je t'explique, y'a Byakuya! Y'a Byakuya qui a été viré de ce bâtiment, si tu vois ce que je veux dire. Il a tué tout le monde en instant avec une nerf-gaz. Mec. Il a un nerf-gaz en fait. Attends, j'ai trouvé ça, attends. C'était à Byakuya. Ah oui! C'est un transfert. Il a trouvé quelque chose.
En fait, je le cherche pour... En fait, depuis tout à l'heure, je le cherche pour lui demander... C'est quoi les gens, les gars? Est-ce que t'as une Diavolo, ou pas ouais. Diavolo, ce mec n'est pas RP parce que je lui dis, je suis une bouche plus avec ma hache dans les mains. Il y a Kaito qui a son pistolet et qui vide, et lui, il nous tire dessus. Alors, balance un navigateur. Celui qui enfin l'accord de HRP, il s'est un qui coûte. Ok, voilà. Voilà, merci bien, merci. Donc, du coup, bah, on oublie littéralement le fait de la tronçonneuse, mais si j'en ai une. Mais quoi, on est de raison. Ok, le non, non, on oublie trop du cul, point. Comment, là, bah tiens Peko, peux-tu venir s'il te plaît? Peko, ah tu ouais, peux venir s'il te plaît ouais. Est-ce que tu peux vérifier dans la chambre dans la salle des filles s'il n'y a pas la carte s'il te plaît? Oui, une carte rouge. Non, pas rouge, pas rouge, non, pas du tout. Une carte pas la couleur. Pas du tout. Porte la couleur. Genre une c'est carte une couleur, mais c'est une petite carte. J'espère qu'elle va pas mentir ou qu'elle va bluffer parce que on est un peu dans la merde. Mais non, mais on peut voir déjà comme ça déjà. C'est impossible que tout disparaisse, bordel, on avait déjà la carte verte. En fait, là en ce moment on a la carte verte et la carte rouge. On les a gardées de côté. Oui. La carte rouge qu'on l'utilise au troisième étage. Non, au deuxième, on a déjà essayé, ouais, ça marche pas. Inutile. Ah oh, merde. Y'a rien. Et dit la verte. Non. Pareil. Putain, fais chier. Oh, Diavolo, je viens d'avoir une idée. Tu vois, vu qu'il n'y a pas de serrure pour la carte, vu qu'il n'y a pas de serrure pour mettre une carte. Du coup, je pense que l'objet, c'est pas une carte. Je pense que ça doit être autre chose. Hein? Mais si, il y a une serrure. Mais pour si, la carte. C'est une carte. Enfin, genre, il y a un pass. Si, c'est. À la salle de billard, il y a ouais. une serrure. Il y a une forme. Ouais. Oui, il y a une forme. Tu vas juste aller dans l'eau là. Il y a. J'ai laissé un cadeau spécial. Ah, mais non, il a laissé un cadeau spécial. Dans la map. Dans la map. Bon bah. Bah, je pense que. On a tous une petite idée. Ah. Oh. Je pense pas un truc. Oh non, putain. Ah voilà. Allez, please. Mais please, putain. C'est bon. Ah, merci. Les gros, voilà, là. Allez. Bon, pour la part, cherchons le cadeau spécial. Thibaut. Ah. Thibaut. Ah. Thibaut était où hein? Bon, je vais essayer Thibaut. Il est où Thibaut? Enfin, je vais aller solo. Oh putain. Moi je dis peut-être que le cadeau qu'il a laissé Monono, je pense qu'il est pas au premier étage ou au deuxième étage. Je pense qu'il l'a laissé par logique, c'est vrai qu'il l'aurait laissé au troisième étage parce que c'est un nouvel étage. C'est vrai. Oui, il aurait pu, ça peut, oui, c'est peut-être possible. Ouais. Non, je pense pas à Nike, rien, on a déjà regardé avec Keiko. On va regarder. Ça, on en a du temps. On pense que le cadeau qu'on a laissé. La salle d'armes. Cherchons pas tout dedans. J'ai jamais en plus découvert de cadavre. Ah, Thibaut est là. Thibaut. Bonne idée, Thibaut, ce que tu fais. Bonne idée. Comme ça, moi, tu vas peut-être mieux la chercher. Ça sert à un de viser à l'intérieur. On a déjà vu. Attendez. Diavolo. Thibaut qui est bloqué. Diavolo. Thibaut qui est bloqué, tiens. Oui, il est bloqué à côté de la salle d'art. À la salle. Non, non, c'est bon, je vais réussir à m'en sortir. Ah, c'est bon. Allez, toi, arrête. Est-ce que vous avez tenté de casser les statues de Monokuma? Non, c'est un... Mec, tu vas te faire défoncer si tu veux ça. Laisse tomber. Ce serait la dégradation. C'est ton jamais. Mais par contre, Diavolo, un truc qui m'étonne... Déjà vu. Que l'étage est débloqué. Attends. Mais y'a pas de... Attends, j'irai avec toi. Y'a quand même des choses à aller voir à l'intérieur. Non, j'irai là. Parce que j'y allais dans le destino shelter. Rimane su noi il risultato che vuoi salire distrutti. Thibaut, Diavolo. J'ai entendu un bruit. Moi aussi, mais laisse-le, on s'en fout. D'ailleurs, j'avais trouvé une tronçonneuse tout à l'heure dans la salle de jeu. Mais du coup, je l'ai pris en photo, j'y ai pas touché. Ouais. Non, mais franchement, c'est quoi cette histoire de tronçonneuse? Je sais pas pourquoi, mais je sens. Que la tronçonneuse aura un rapport avec le prochain meurtre. Allez, man, non, non, prends pas italien, c'est bien. Ah, ok.
Oh. Mais non, il regarde géant. Et il parle matin, il commence à parler italien. Oh, oh, oh. Cool. What? Mais il est malade lui hein. Mais t'es pas bien Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Il donne des coups de poing sur les murs. Moi, comme tout le monde. Tout à l'heure il m'a mis KO. Ouais, bah bon. Pour te mettre KO toi mec il faut le faire. Hein. Putain. Attends, vraie question des volants. Est-ce qu'on peut poser une clé sur les petits rebords comme ça? Une quoi? Une clé. Trouver. Tu sais comment on trouve? Rejetons. Ouais là, attends. Non, en fait, je suis con. Ça, c'était mon ancien Nadis. Excuse-moi. T'es con. Tout le monde doit rester à deux. Tout le monde doit rester à deux. Ok, Kibo, Kibo. En bas, Diavolo. Ouais, bon, bah, c'est fait. Salut mon pote, ça va. Fouille bien dans les casiers. Les coups sont déjà faits. Alors, y'a rien ici. J'ai déjà fouillé dans les casiers tout à l'heure, y'a rien. Merde. Oui. Et c'était une session règle pour vous deux. Kibo et Diavolo n'avaient pas le droit de rester ensemble. Tu vas devoir traîner avec un autre. Tu as dit plus le droit de rester à deux. Voilà, c'est décidé. C'est moi qui décide. Y'a pas de soucis, Manu. Pour ma part, je vais rester solo alors. C'est bien, tu comprends. Comment Flo, laisse pas tranquille. C'est tout seul Mando. Pour ma part, je dois rester pardon solo. Enfin, je dois pas être avec Kibo parce que mon moi j'aime pas être avec des gens l'air. Ah ouais d'accord. Pour ma part, je pense que je vais rester solo, mais bon, essaye d'avoir un alibi toi au moins. Mais bon, bonne chance. Je suis en train de sang là. Oh! Mais péter ta gueule, mon. Baissez. Oh! Oh! C'est long. C'est une œuvre. Bah les couilles. J'ai tué Kibo les gens. Vous avez trouvé quelque chose? Quoi? T'as tué Kibo? Ou pas? Ah Diavolo? Ouais. Peko a cherché dans la shot des minutes, elle a rien trouvé. Ok. Pour ma part je dois pas rester avec Kibo parce que Monokuma, enfin Monono a refusé. Du coup. What? Qu'est-ce qu'il fait? Non, attends, n'y va pas. Y'a Togami avec une arme. N'y va pas. Laisse-le. S'il fait un meurtre au moins on le voit.
s'emmerde un peu en solo, mon nono. Je comprends pas la logique de rester solo, moi et Kibo. Hein. Putain. Ça m'emmerde plus qu'autre chose, putain. Mane solo il risultato che voi sarete distrutti. E te la cima esiste solo per me. Può cantare che sono il triste del mondo senza tempo. Depuis tout à l'heure, je vous vois à 3. Dans les chiottes des gars là-bas près des chambres, on a trouvé un conduit d'aération pas ouvert, du coup je l'ai ouvert. Ok, ok, y'a pas de soucis. Par contre, voilà, attends, j'entends un truc. C'est quoi ce bruit? C'est un truc. Justement, j'ai un truc. Là, où là? Oh! What the? Qu'est-ce que. What? Ah, je. C'est passé attends. Quoi là? Peut-être que c'est-il. Vous avez une chance mais... de le ranimer peut-être. Mais la prochaine fois il restera pas ensemble, je vous vois à 3 puis tout à l'heure. Ok c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça marche, c'est bon, c'est bon. Il marche encore ça. Ok. Enculé. Attends, donne. Recule. Je vais m'en occuper si le reste avec. Comprenez pas la situation parce que je sache. Vous restez encore à 3? De quoi? Ah c'est bon. Mais. Voilà. On n'a pas le droit. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Putain, il a dû bien t'amocher pour que tu restes autant. C'est bon. Ton skin. Ton skin, il faut que tu le changes. Ton skin. Tu fais C, tu vas dans player model et tu prends. Tu prends Nagito Komeda. Parce que là, t'es pas en Nagito. T'es en Naigi. Fermerie. Ah, reculez. Non, ferme. T'as oublié de faire appli modèle. Hein. Fais appli player modèle au-dessus. Voilà, c'est bon. On n'a pas le droit de rester à plus de deux. Moi, pour ma part, je vais rester solo. Donc, trouve-toi un groupe. Évite de juste de rester avec deux autres personnes. Sinon, tu vas te faire exécuter. Voilà, bon, vas-y. Et où ça?
T'as bien mis la musique. C'est où? C'est où? Ouais, justement, je suis en train de chercher. Bah, on sait pas comment. Il est où, il est où? Il est où, il est où? Ouais, mais faut attendre. Putain, mais en fait, faut attendre que Monono le poste. Merde. Je sais pas. Là, on a le droit, sûrement. Là... Bah, ouais, on a le droit de rester en groupe. Tu penses que c'est Nagi? Oui, bah, oui. Bah, là, faut chercher le corps, surtout. Merde. Attends. Restez ici. Si c'est au dernier étage, c'est dire que c'est aucun de nous. Parce qu'on vient tous d'arriver du coup. En fait, on m'a pas dans ce moment. Un cadavre a été découvert. Oui, mais allez tous au premier étage à la classe 2B. Ok, venez. Papa, c'est ça. Les gars. Ouais. On était tous au deuxième étage. Vous aurez pas eu le temps de revenir. Non, mais ouais, les gars. Bon, à part, j'ai aucun alibi parce que Monono m'a dit d'éviter de rester avec Kibo. Voilà. Oui, je sais. Moi, je suis avec Nekomaru. Pour part, après, j'ai soigné Nagito. Moi, je suis avec Peko. Classe 2B. Diabolo, tu nous as même croisé à l'infirmerie, nous. Ah non, c'est là-bas aussi, là-bas. Glace. 2A, 2B. Ça doit être. Non. Moi, je me suis avec Nekomaru depuis le début, lui. Moi, j'entends pas ça. C'est Byakuya. Eh, Kibo, qu'est-ce qu'on avait dit? Par rapport à Byakuya, on l'avait pas dit. Bon, il y a aucun sens. Je peux pas dire. Les indices, venez, on cherche les indices. Cherchons les indices. Kibo, Diablo, viens, s'il te plaît. En fait, j'ai un truc à dire en privé avec Kibo. Attends, je vais tenter de voir. Alors, attends. Je t'explique vite fait ce qui s'est passé. En gros, tout à l'heure, je suis venu dans la salle. Je t'explique. Je suis venu dans la salle. J'ai vu Byakuya ici, avec un moteur dans la main. Donc, par réflexe, j'ai pris une photo instant, et je me suis cassé. Et juste quand je me suis cassé, je suis allé là-bas, j'ai vu Rantaro direct, on a entendu un côté le moteur, on s'est ramené, et là il est mort. Tu penses qu'il se serait suicidé? Je pense qu'il se serait suicidé comme un con. Oui, je pense que ça peut être un suicide. Il y a des chances qu'il soit suicidé. Peut-être il a voulu brûler la salle de classe, mais sans faire le fait, il s'est loupé. Il avait quoi comme arme d'ailleurs? J'ai mal entendu. Un cocktail, il avait un cocktail. Non, tronçonneuse, il avait plus, c'est un cocktail molotov. Il avait plus. Juste refaire spawn son score parce que sinon il va rester. Juste un problème, vas-y. Oh, attends, tac, je vais te faire respawn bien clair. Il y a toujours pas le monofail, je cherche le monofail, mais il est toujours pas. Désolé, c'est complètement. Voilà, en monocumer, c'est pas grave. Ouais, voilà. C'est un monocumer. Allez, vas-y, fuis. Voilà, c'est un monocumer. Le pauvre, il a rien fait, tu exploses le crâne. Tu m'as cassé les couilles. Ah, mais c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, maintenant faut juste attendre le monopod. Le monofile. Ah. Bon, attends, venez. Bon, du coup, on est obligé d'aller trouver des indices, du coup. Ouais. Et merde! Qu'est-ce qui se passe? Ah, allez, je vais couper la lumière juste pour leur chercher. Qu'est-ce qu'il a dans le. Oh putain. Je suis un bâtard, putain. Oh, après, tu me diras si une bonne musique est sortie. J'ai de la chance. Bien, coup, il est mort. Byakuya est mort, ouais. Ça reste un secret entre nous, ça. Là, ok. T'avais quoi dans la main, T'avais quoi dans ta main, il y a quelques minutes, par contre? J'avais rien. Si, t'avais un coup dans ta main. Attendez, je vais voir le monofile. Bon, d'après certaines personnes, c'est un... Bah, j'ai rien, un peu plus simple. Non, il y a toujours pas le monofile, il est pas simple. Tu peux pas mettre l'autre, genre le pain.
Tu veux des indices? Moi perso, non, mais il est pas, il est déjà pas placé, je crois. J'ai entendu un alibi très. Vous avez trouvé des bambous? J'ai entendu un. J'étais avec Nekomaru, les gars. Non, du mais coup, prends pas, j'ai entendu, peux... j'ai entendu quelque chose qui pourrait nous mener directement en fait au fait qui se marque. Oui, oui, le guitare est parti, alléluia. De qui? De quoi? Attendez, la guitare est parti. Non, rien, sérieux, comment Nonom a fait un coup de pute? Pourquoi? En gros, j'ai des armes qui passent en random dans mes mains. Ah. Déjà à n'importe quel moment je peux sortir une carabine. Normal que t'as un couteau. Bah c'est normal, il y a toujours du coup. Ok, bah ouais logique, bah ouais. Jimmy. Ok. Ah les gars, c'est mon couteau. Une tronçonneuse, oui aussi. Un couteau. C'est mort par un couteau, Byakuya à 21h. Ah oui. Quoi? Byakuya 21h, 2B, couteau. Oh bah c'est moi le meurtrier les gars. Non, ouais. Ok, bah couteau et Attends, tu peux fouiller ou pas? Kibo et Ranta, vous pouvez venir du coup pour terminer ce qu'on avait dit. Oui. Pierre, bien sûr, bien sûr. Sur la photo que t'as prise, il avait quoi dans les mains? Il avait un cocktail Molotov. Il avait un cocktail Molotov, pardon, oui. On a entendu un bruit de cocktail Molotov au moment, juste après. Ah putain, non, par contre là c'est en train de tout ruiner ce que t'es en train de dire. S'il y avait un cocktail Molotov, alors on tous les trois, donc c'est bon. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il aurait changé d'arme. Laisse-moi aller voir le monophile. Go fouiller son corps. Oui, c'est beau, je suis en train de penser un truc, mais j'espère que c'est pas ce que je pense. La vie de ma mère, j'espère que c'est pas. C'est beau, je suis en train de. Je peux être accusé parce que je suis la dernière personne à avoir vu Byakuya avant qu'il meure, donc non, je suis partie des dernières personnes qui sont sur la gauche en fait. Yavolo, ouais. Oui. Alors attends. D'accord, je sors pas ça plutôt. Non, alors j'ai. Monokuma m'a donné les armes suivantes si tu veux savoir, une hache, une tronçonneuse, une machette, un tuyau, une guitare et une Winchester. Bon. Pas de problème. Il est bien cette épée. Ah le monophile. Ah le monophile il a déjà été posé. Bon attendez le jour, il faut juste que je mange un petit bout de ma pastèque, toujours bonne. Mmh. Ah, délicieux. Bon Pierre, attends, je vais TP le... Ah oui. Non, on peut savoir qu'est-ce qu'il avait sur lui ou pas? On vient de le fouiller. Il avait un katana. C'est pas de bêtises, c'est un plus. Bon Pierre, attends, je vais le TP et je pense que je vais lui demander, attends. Bah de toute façon, il est monocommerce. T'es là ou pas, Ouais, c'est pour savoir, t'avais quoi sur toi, là on est en train d'expecter ton corps, t'avais quoi sur toi? Oh putain les bâtards. Oh merde. Oh les fous. Diabolo numéro 2 a sonné. Nous pour faire mais bon, second meurtre. Ta. Non, t'inquiète pas. Katana, tu vois, je t'avais dit qu'il avait des molotov. Ouais, ça tu me l'as dit. Ouais, ça c'est ça. Vas-y, tu peux aller voir. Ouais, putain, mais attends. Mais ça veut dire que c'est pas lui. Ça veut dire que c'est pas lui. Ou à moins qu'il a droppé son. Attends, y'a pas de couteau là. Mais le premier qui l'a vu c'est Kibo, mais non. Je suis sûr attends, que c'est pas attends, Kibo. Là je suis bloqué. Attends, Kibo. Oui. Quand tu l'as vu, tu l'as regardé. Oui. Quand oui. Tu es du coup reparti et tu es revenu juste après, ça a duré combien de temps? Même pas une minute. Genre j'ai vu Rantaro, on a fait demi-tour tout de suite. Et vous avez vu personne d'autre? Clairement. Même pas le conduit, rien? Non, personne. Bah, j'ai regardé dans la salle, j'étais là. J'ai regardé, j'ai vu. J'ai regardé à gauche pour voir si la ventilation est ouverte. Elle est ouverte. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché de lui. Je l'ai bien regardé. Donc après, je suis retourné, je l'ai pris en photo. J'ai vu personne au niveau de la ventilation. Non, ça. Je vais aller voir. J'ai vu personne au niveau de la ventilation. Par contre,
Par contre, Diavolo, une chose qui m'a étonné, c'est que Monono, au moment, est apparu devant moi, il m'a dit il y a quelqu'un qui est parti dans les ventilations. Ouais, il fallait regarder. Bonjour, il fallait regarder. Mais j'y suis allé, mais j'ai trouvé personne. Je vais aller voir mon top pour lui demander les armes qu'il a et puis s'il a pas de couteau, je vais aller fouiller les autres personnes. Alors j'ai une M9 sapant et j'ai une lampe, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Tu peux même me fouiller, c'est tout ce que j'ai. Oh la vache. Bon bah ça va être un petit peu dur ce class trial hein. Ça... De quoi? Il va être dur ce class trial. Oh des indices les gars, vite c'est celui-là. Bah on essaie de chercher hein. J'ai mis à des endroits pas possibles. Forcément il a dû les remettre au même endroit qu'il les a mis hier, juste pour me faire chier. Vu qu'hier on n'avait pas trouvé. Y'a Mando qui est là, y'a Mando. Mando. On peut savoir t'as quoi comme arme s'il te plaît? J'ai ça. Oui. J'ai ça. C'est tout? On peut le fouiller? Tu permets que je te fouille? Vas-y. Et j'ai ça, je l'ai ramassé. Oh putain. Ah. C'est bon, on l'a trouvé, mais moi aussi j'ai ça. Mais ah bah voilà, c'est ça que t'avais dans la main, t'es joué avec ah toi. Ah oui, voilà, on c'est un cocktail Molotov. C'est un Molotov. Bon, Mando, j'en avais pas acheté par là. Il est juste là. Du coup, est-ce que ça l'envoie? Est-ce que je peux m'en aller? Maintenant, voyons le rôle. Non, j'en ai trouvé. Ouais, bon, bah, ça va. Attends, je peux essayer? J'essaye, moi. Ah oh, putain, mais vous êtes chiant, il avait dit qu'il a rien trouvé, ça sert à rien, forcez pas. Vas-y, voyons. Putain, il a vraiment rien. Tiens, je te l'ai dit. Attends, toi par contre, Keito, allez hop, toi tu vas pas taper. Je veux savoir ce que tu fais. Tu veux défoncer la porte? Ouais, un peu. Non mais toi ça c'est ma chambre. D'où tu t'arrêtes de défoncer ma piole? Calme-toi Yose. Demande. On peut aller dans la chambre de la victime. On peut aller dans la chambre de la victime. OR. Qui est le fils de pute qui a sorti ça? Qu'il y a personne aux alentours, je vais te dire Kibo, je te suspecte. Même si t'es pas meurtrier, je pense. Je te suspecte quand même. Donc on a aucun DB. Ah. T'as trouvé un truc? Ouais. C'est quoi ça encore? Ennemi numéro 1, cible parfaite. Une cible parfaite. Je comprends pas. Moi, en gros, c'est l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1 de Byakuya, c'était qui? En gros, bah non, justement. C'était... La cible parfaite, c'était l'ennemi numéro 1, donc Byakuya. Mais ça, ça ne mène à rien en fait, Byakuya, cet indice. Cet indice ne mène à rien. Qui était ennemi avec Byakuya, mais on sait pas c'est qui était l'ennemi de Byakuya. Si, là, moi perso, c'était l'ennemi de Byakuya.
Moi je l'aimais pas bien plus. Il a tenté de me tuer. C'est pour ça que... Oui mais faut pas que ce soit toi gros, putain. Non. Il y a rien ici. Et pourquoi toi? Et de toute façon t'as pas... Diavolo, tu me permets que je te fouille s'il te plaît? Moi j'ai un couteau, je l'ai dit, j'ai un couteau moi. J'assume que j'ai un couteau. Oui, t'as un couteau. J'ai mais ça et ça. C'est le seul qui a un couteau. Je sais pas, c'est le seul qui a un couteau. Ouais, je sais. Je sais pas. C'est... Pour moi, t'es un des plus suspects, mais putain. Ah, mais je t'en prie, moi j'ai pas envie de montrer. Pour ma part, ouais, j'ai des arguments comme quoi que j'étais avec ouais, Nagito à l'infirmerie et tout ce bordel. Ah bah oui, bah si tu étais avec Nagito à l'infirmerie, là... Bah, ouais, pendant un moment, j'étais avec Nagito à l'infirmerie, puis après je suis parti à la piscine. Diavolo, 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 yes. Diavolo. Ah. Yes. J'ai trouvé la lettre C dans la cuisine. Mais je l'ai pas trouvé, moi. Bah regarde, en fait, elle a été planquée comme une grosse pute. Tu vas voir. Rends dans la cuisine, rends dans la cuisine. Là. Là. Oh, oh la salope. Salope. Oh la petite salope. Oh. C'est pour ça parce que de base je regardais ici parce que je regardais là dedans. Là. Et là il y a un coup, je regardais, donc si on réunit les indices, ça fait O, R, ennemi numéro 1, cible parfaite et C. Mais O, mais quelle lettre O, Diavolo, non. Putain, t'as pas de lettre C, juste une visionnée. Sur moi ? J'ai pas de C moi. Non, pas toi, je parle de Diavolo. Attends. Ah putain, c'est plus dur à chercher du coup. Je regarde pas. Bon, attends. Partout, y'a rien du tout. Il reste plus que 9 minutes avant le. Il faudrait qu'il nous laisse plus de temps à chercher parce qu'en fait, on a plus de salles à trouver. Il nous faudrait qu'il nous laisse beaucoup plus de temps. Y'a que les faibles qui meurent. Mais moi, j'aurais voulu. Con qui meurt. Je dis que c'est la personne qui était censée être morte. Non. Mais. Les conduits d'aération. Je sais pas pourquoi, mais je pense que là-bas on pourrait peut-être avoir un avis. Ouais, va voir dans les conduits, va voir dans les conduits. Moi je vais chercher ici. Hein? Va voir dans les conduits, va voir dans les conduits. Non, Diavolo. Quoi? Ça sent bien y aller avec quelqu'un, tu vois, avec Thibaut. Mais ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert strictement à rien ce que tu fais. Non mais, ça sert à rien, va voir Solo. Ouais, non mais... Non, je trouve pas. C'est pas. Regarde la salle et la porte. Ah, la lettre, D. Le maître, Diavolo, Diavolo, D. D. Non, Diavolo. Non. Attends. Non. Ouais, je sais. Y'a un D, y'a un D. Ro. Ouais. Ouais, ouais, j'ai un D. Chercher là. Non, mais. What? Déjà? Ah parce qu'on on a tout trouvé je pense. Dans le sauna. Indice trouvé dans le sauna. Oh non, on a tout fait, on a tout fait. Tout a été fait, yes. Mais tous les indices. Putain. Allez. Je vais pas pouvoir être très utile pendant le prochain plan. Allez, photo souvenir. On refait une photo souvenir. Le frérot. Je fais la photo. C'est le péco. Moi aussi je prendrai la photo si tu veux bien. Attends, il manque qui? Il est où Kibo?
Tu peux aller où? Ah d'ailleurs, j'allais dire, il est où? Je vais chercher comme d'habitude, ne bougez pas. Voilà, c'est beau, c'est là, c'est bon, c'est beau. Vite, Thibaut. Thibaut. Merci, Teko. Alors, mettez-vous en position, allez, monte, allez. Non, allez, tu mets devant tout le monde, allez, photo souvenir. Ouais, tu dégages la vue de tout le monde. Tu dégages la vue de tout le monde, mets-toi plus sur le côté. Mets-toi sur le côté. Mais non, Attendez, il manque quelqu'un là. Je vois pas tout le monde. Là. Je veux une moto. Allez, c'est parti, les élèves. Allez, on y va. Tout le monde. Non, les mecs, putain, mais je sais pas quoi petit. Mais moi, je pense à une personne. Un mètre de différence. Deux suspects. Moi, j'ai deux suspects aussi, mais putain. Moi, je suis fait. Bon, allez, poussez-vous. Reculez, regardez le mètre de distance là. Laissez-moi mon intimité. Ah bah ouais, vous l'avez déjà. T'es gros, attends. Attendez, laisse-moi un mètre. Et toi, tu menaces. Wesh. Aïe. Oh, mais putain, mais c'est qui la brutie qui a fait ça? C'est moi. On va tout voir le PNJ. Il est où? Chacun son tour. La tête de Wam, il a moi en premier. First. Et tout, nickel. Mais PNJ, y'a que des cadavres à côté de moi les gars, y'a que des morts à côté de moi. Tenez, allez tous sur Ali. On va tous se soigner. Allez, toi, salut vous tous. Bonjour mademoiselle, c'est Joël avec cheveux de miel. Mais comment tout ça va? Allez, viens voir au studio. Je te fais dîner bien. Il est là, il est juste à côté de moi, comme je te dis. On va pas se déplacer son image, parce que bon, moi je crois que... Attendez, comment ça, tu vas te faire déboîter. Mauvaise manip. Ou tu sais quoi, c'est pas grave, Attends, va là. J'ai besoin d'aide, les gars. Pensez là, parce que c'est la personne qui me ressemble le plus, Ryoma, c'est ça le problème. Je vais pas prendre une meuf. Mets-toi là.
Attends, je... attends, viens, je t'attends là, le... Bien comme ça, moi je vais garder ces chaises là, elles sont magnifiques. Monokid. Attends, tu peux t'enlever Réma? Ryoma il est un peu bloqué là. Tous ceux qui ont une okay, croix rouge sur leur tête, ils sont tous morts. Oui. Ouais. Et moi c'est tous mes voisins les morts en fait, ça tu vois. Alors, comme je vous le disais, nous sommes ici pour déterminer qui est le tueur de Byakuya Togami. Vous allez donc devoir déterminer avec vos, comment dire, vos arguments, voilà, exactement, vos arguments. Vous avez donc, pour ce classe-là, vous avez donc 25 minutes. Voilà tout, et à partir de ces 25 minutes, vous pouvez peut-être faire, essayer de faire un petit pari avec moi. Hein, je fais un petit pari en moi, voilà tout. Bonne chance à tous, vous pouvez commencer. Désolé. J'étais en train de me placer, je me suis... Ok! Moi j'étais en train de me branler et j'ai touché le bouton rouge. Bon du coup on commence par quoi les gars? Ben commençons par le monopode, je pense que c'est une bonne idée. Juste histoire de pouvoir voir comment ça s'est passé. Allumer la lumière. Du coup, la victime du coup c'est Byakuya Togami. 21h au couteau. Mort au couteau. Lieu du crime, classe 2B. Voilà. Premier étage. Donc, on va commencer du coup par les alibis. Donc moi j'étais avec Nekomaru du coup. C'est ça. Nekomaru, peux-tu confirmer ça? D'accord. Affirmatif. Du coup, Diavolo et Kibo sont pas comptés parce que ils étaient obligés de rester seuls. J'étais avec Kibo pendant un moment. Du coup ça peut pas être lui. Bah si. Alors ça c'est pas une, c'est un pas moment, une preuve. C'est pas une preuve. Pendant un moment. Oui, j'avoue. Nagito il était pas là, il a paru il y a pas longtemps. J'étais en train de dormir dans ma chambre pendant tout le long. Désolé. Ok. Mondo, je sais pas, je l'avais vu tout seul, il faisait de l'art. Non, j'étais avec avec Mondo. Bon, jusqu'à la fin. Diavolo était seul avec Kibo, et du tu coup peux pas être avec Mondo. Non, du tout, du tout. Alors là pas du tout. Non, Diavolo était pas avec Kibo. Moi en fait Monono m'a dit en fait de ne pas rester avec Kibo, donc du coup j'ai dû en fait ce que j'ai dit. Vers la fin du coup, j'ai dû sauver d'ailleurs Nagito parce qu'il s'est mangé un sale coup de Monono. Voilà. What? Mais il a changé de personnalité, les gars. Ouais, il a changé de personnalité, tu vois. La musique d'exécution. Mais on en a rien à foutre, allez on continue. D'accord. Bon ensuite les indices, du coup vu qu'on a tous dit nos alibis, à part Ryoma, j'avais oublié, il était avec Kaito, il m'avait dit tout à l'heure. Les indices du coup, attendez, je pense ça. Les indices sont A, O, A, R, ennemi numéro 1, cible parfait, C et D. J'étais avec Peko tout le long et pendant un long moment j'étais. Non avec Nagito et Nagito s'est pris un coup de Monono et du coup Diavolo l'a soigné. Yes. D'accord, donc les indices, peux-tu les répéter, Diavolo? A, O, A, R, ennemi numéro 1, cible parfait, C et D. Ouf, alors ennemi numéro 1, cible parfaite. Là, j'ai juste déjà un. Avoir... Attends. Je peux avoir déjà deux cibles. Moi, j'ai aussi quelques cibles. Après, Kibo et Mondo. Bon. Voilà, bref, je vais en absence. Bonjour, on m'accuse. Attendez. Par contre, je vais vous dire un truc clairement. En fait, ça a aucune logique, les indices, quand je regarde. O, R, C, D. Il y a un R, il y a un O. Bah, en fait, Rod 2. Mais non, en fait, on peut pas. Code, on peut pas. Code. Bah, non, parce que sinon, il manque le E. Mais les gars. Je propose qu'on évite de se... Les gars, il est mort. Vas-y, vas-y, désolé. Des mots en anglais, au pire. Kaito ? Attends, il y a... Pardon. Tu peux aller, hein ? Vas-y. Ah, il y a combien de lettres et une phrase ? C'est ça ? 4 lettres et une phrase. 4 lettres et deux phrases ? Une phrase. Une phrase. Alors, moi, j'ai juste un truc à dire. L'ennemi numéro 1, pour ma part, c'était Byakuya parce qu'il a tenté de me tuer à plusieurs reprises. Ouais. Voilà. Bah, ouais, j'ai vu. C'était l'ennemi de tout le monde, hein, clairement. Donc, là, donc, Mono. Enfin, en fait, la personne qui a tué Byakuya devait se dire ça, en fait.
L'ennemi numéro 1, l'ennemi numéro 1, cible parfaite. Qui est l'ennemi numéro 1 de Byakuya? Qui est l'ennemi de... Je sais pas. Il me semble que c'est toi, Kaito. Soit Diavolo, soit Kibo. Et Kaito aussi, non? Il a tenté quand même de te tuer, Kaito. On n'avance pas là, malheureusement. Ou sinon... Je propose franchement que vous étaliez, on va dire, un peu ce qui s'est passé. Possible, mais en même temps ça me permettrait aussi de pouvoir savoir ce que vous avez fait durant mon absence. Bah pour ma part j'étais en fait pas dans le hall mais à côté du gymnase jusqu'à que je vois Nagito en fait se faire entre guillemets exécuter par Monono. Ryoma peut approuver avec Peko à côté et je sais plus qui, il me semble. Oui. Bah, Nagito. Et donc du coup une fois qu'il a fait ça en fait j'ai dû le soigner parce que j'avais du coup une chance de le soigner. Je l'ai soigné et après du coup je lui ai dit ouais fais-toi des groupes et tout ça mais pas plus de deux et tout ça et après je suis parti à la piscine personnellement. Mais ça s'est passé presque une heure après le meurtre. D'accord, donc ça c'est ce qui s'est passé pour toi et donc la personne qui peut directement l'approuver avec toi. Ok d'accord, et les autres alors? Les autres? Personne ne veut parler? Kaito, qu'est-ce que tu faisais? Ah bah moi j'étais avec Mondo depuis un moment. Au moment de... Encore dans la salle, au moment où il y a eu la... Comment... Le cadavre, j'étais encore dans la salle d'armes. Ok, bon, Pierre. Kibo moi, et je peux donner mon mobile si tu veux. Ouais, est-ce que vous pouvez étaler la chose que alors... vous m'avez dite la dernière fois, s'il vous plaît? Comme ça moi on passe le sujet sur la table. Alors, moi j'explique ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti aller voir dans la salle C2B, si je me trompe pas, oui, qui est tout au fond, juste après la bibliothèque, et j'y ai vu, comment il s'appelle déjà, Byakuya debout, avec un cocktail Molotov dans la main, que j'ai pris en photo d'ailleurs, et j'ai regardé dans le fond de la salle, et la bouche d'air était ouverte, et il n'y avait personne dedans. Donc du coup j'ai fait demi-tour, j'ai vu Rontaro, on a discuté genre même pas une minute, et on a entendu un bruit de verre, on a fait demi-tour tout de suite, on est rentré dans la salle et on a vu le cadavre de Byakuya. Ah, attendez. Et juste après Attendez. Pour voir le cadavre de Byakuya, d'aller chercher. Est-ce que ça a sonné direct ou pas? Quand vous l'avez vu? Non. C'est pour ça que j'ai demandé à Rontaro d'aller chercher quelqu'un. Et là j'ai vu Monono apparaître et qui a dit il y a quelqu'un au fond de la salle dans la bouche. Donc j'ai foncé, je suis allé voir mais il y avait personne. Par contre attendez, j'ai capté un truc. Vous savez oui. Que Byakuya est numéro 1, que je m'en suicide, puis vous êtes dit que... Non, justement, on l'a fouillé, il a pas de couteau. Il avait un katana, un molotov. On lui a acheté avait... alors. Monono, j'ai une question. Quand tu dis couteau dans le monofile, est-ce que le katana compte comme un couteau ou pas? Parce que des fois tu... Non, pas du tout. Couteau. De lancer. Pour ça, il est clair et concis. Lance, hein. Oui, mais dans ce cas, si c'est un couteau de lancer, la personne ne serait pas retournée le chercher. Le couteau serait toujours sur le cadavre. Elle est où la meuf? À moins qu'il veuille cacher les preuves. Et ensuite, elle, peut-être qu'il a déposé son couteau quelque part dans la... Enfin, qu'il a récupéré. Mais oui, mais dis-toi, Komaeda, le temps qu'il tue la personne avec un couteau de lancer, qu'il sorte de la bouche d'aération pour aller chercher le couteau, qu'il y retourne, vrai, ça déjà, ça aurait laissé du sang, il aurait pas eu le temps de nettoyer, et voilà quoi. Laisse tomber, en aussi peu de temps, il aurait jamais eu le temps de faire tout ça. Mais il a pas nettoyé, et quand je suis passé pour le cadavre, il y avait quand même du sang, donc il aurait peut-être juste pu prendre le couteau et courir. C'est une éventualité, hein, en tout cas. C'est certes difficile, mais c'est possible, c'est ça que je veux dire. Et vous avez retrouvé le cadavre, du coup, vous pensez peu de temps après ou beaucoup de temps après? Parce que ça peut jouer. Très peu de temps après. Ok. Il était 21h01. Ça a vraiment fait comme ça. Ok, je vois. Donc, j'ai vu Rantaro, on a entendu un bruit de cocktail Molotov, on a fait demi-tour, on y allait, Byakuya était mort. D'accord. Ouais, donc, il a pas pu récupérer le couteau. Impossible. C'est... Il a vraiment pas le temps, quoi. Ouais, donc il a pas été au couteau de lancer, je pense qu'il a vraiment... Ah, ouais, non. Toi, vous avez pas trouvé. Ouais, bah, si. Ah, vous l'avez pas trouvé, l'arme du crime? Non. Bah, c'est un couteau. Ah.
Je vois. Pourtant, on a cherché dans la salle, Monono. Hein. Pour ma part, j'ai cherché avec Kibo et Rantaro dans la salle. Hein. Et pour chercher, on a cherché, t'inquiète pas. J'y suis... J'y suis pas sûr. Attendez deux minutes. Bougez pas, je reviens. Je présente mon Monoki, tu surveilles, tu les surveilles. Hein. Monono, t'aurais pas oublié quelque chose par hasard. Ok, excusez-moi. Alors, ah, continuez. Eh bien, je pense que le jugement il va être un peu. Je pense que Monono a oublié de placer l'arme du crime. Oui, je suppose. Donc, ça peut être un couteau de lancer. Du coup, c'est un couteau de lancer, c'est ça qu'on. On t'entend. Mais allô Monono... C'est okay. Monono qui l'a tué. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui l'a tué? Je n'ai pas entendu. C'est Monono, c'est la dernière personne que j'ai vue sur le lieu du crime. Non, toi, tais-toi. Je ne pense pas. Non, mais des couteaux de lancer, ça serait sympa. Vu qu'un idiot a, comment dire, réinitialisé le monde, si vous voyez ce que je veux dire, un idiot, je dis bien un idiot, j'aurais pu vous donner une preuve, désolé, tant pis. Non. Attendez, du coup, on sait pas si c'est un couteau de lancer ou pas, finalement. Un monono, c'est lancé. Ouais. Là, en fait, clairement, on n'avance à rien. Hein. À part aux alibis, y a pas vraiment grand chose à dire. Moi, perso, par rapport à l'indice ennemi numéro 1, cible parfaite, bah pour moi, je vais, sans être méchant, ce serait, comment dire, le robot, parce que je trouve que t'aimes pas trop Byakuya dans ton comportement. Alors tu as mal compris la phrase. Ennemi numéro 1, c'est qui l'ennemi numéro 1 de tout le monde? C'est Byakuya. Ah, j'ai pas compris. Moi, je croyais que c'était l'ennemi numéro 1 de. Ça peut être. Tu m'accuses quand même beaucoup. En fait, le problème à Jimmy, c'est que c'est écrit ennemi numéro 1, cible parfaite. Donc, c'est une personne qui a dû s'imaginer ça. Pour moi, c'est cible parfaite. Putain, Monono, faudra apprendre à faire des phrases, monsieur. Ouais, Kaito, c'est vrai. T'es chelou. Ah, entre mais si vous critiquez, vous démerdez la prochaine fois. Vous aurez pas d'indice. Ok, prochaine fois, pas d'indice. Ah, voilà, tu nous en as déjà pas donné en soi. Donc, bon. Je vous boude. Nanana, je suis vexé. La prochaine fois, vous aurez pas d'indice. Pardon, pas notre temps. Il nous fait perdre du temps. On s'en fout, l'ourson. Ok, les gars, bon, vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'indices, on a qu'à directement se poser sur tous les alibis qu'on a. Je peux dire que moi, donc Kibo et Rantaro, déjà, ça peut pas être nous les tueurs parce qu'on était là au moment. On était les premiers arrivés sur la scène du crime. Moi j'étais avec Nekomaru depuis le tout début et Nekomaru peut peut-être affirmer s'il est là. Clairement, on était ensemble. Voilà. Moi perso j'ai pas d'alibi à part Nagito, mais ça s'est passé je pense avant que. Je dis d'ailleurs avant attends. Avant que son cerveau change. Bah qui où étiez-vous à 21h hier? Pfff, c'est pas compliqué. À 21h? Vous étiez où à 21h? Moi aussi je regarde pas là. Ça avance à rien alors, c'est juste une des choses à regarder tout le temps l'heure. Ouais c'est ça, ouais. On en avait parlé dans le précédent concept. Kibo, je viens de te dire avec Nekomaru qu'on était tout le temps ensemble. Oui, mais vous c'est bon, vous avez votre alibi. Mais par exemple pour Diavolo. Faut tout le temps surveiller l'heure. Ça peut vraiment grandement vous aider. Qui a tiré par l'argent? Parce que bah, déjà c'est moi parce que ça sert à rien. Pour ma part, je suis pété dessus, mais attends, tu sais que c'est peut-être les personnes ont tué pour pas forcément pour l'argent. Hein. Oui, mais clairement, il y avait la motivation de l'argent. Et sachant qu'il y a une seule personne ici qui est vraiment à fond sur quelque chose de matériel, et c'est donc notre ami ici, Mondo, car ouais, il demande sa moto. Des motos depuis tout à l'heure, il est très, très attaché au matériel, on va dire. Déjà, faisons l'état des lieux de ceux qui ne peuvent pas être les tueurs. Donc les deux qui sont à côté de moi ne peuvent pas être des tueurs du côté gauche, moi non plus. Nekomaru et c'était Hajime sont innocents. Donc toi Ryoma tu étais avec Peko durant la majeure partie du temps. Peko Mando, c'est ça? Il reste que... Peko non, il mange sa tête. Peko était avec Ryoma. Peko était avec Ryoma pendant une longue période. Donc par contre Kibo attends, Kibo juste une question. Ça rime avec Peko. Oui, attendez, chut. Nagito, pourquoi est-ce que tu dis que Nagito est innocent alors qu'il peut très bien être le meurtrier en fait? C'est pas parce qu'il est revenu avant, enfin c'est pas parce qu'il est revenu plus tard que c'est pas lui hein. Attends, qui ça? Attends, Nagito c'est du Katen, non? C'est ah oui, c'est toi? Non, je sais pas parce que moi on m'a dit qu'il était pas là pendant durant une période donc. Oui, mais même. Que ce soit lui le meurtrier, je sais pas. Eh bien. Je ne peux malheureusement pas affirmer que ce soit moi ou pas,
ni contrer ce que tu dis parce qu'effectivement j'étais somnambule donc. J'étais somnambule donc je sais pas, peut-être que c'est. Je sais pas. Franchement ça n'avancerait à rien je pense. Non, il doit pas le dire. Oh mais putain mais tu me demandes des indices espèce de petit enculé. Tu peux les faire foutre. Attendez. Avec un barbecue de tête. Renono. Orc. Mais on en arrive. Tu touches pipi et tu nous donnes un indice. Oh putain. Et maman dans ta gueule. Non, vous pourriez remercier à Jim Pinata parce qu'il m'a très vexé, je suis brisé. Non, on va pas le remercier, on s'en fout, on a pas que ça qu'à faire. On perd du temps, putain, arrêtez de faire Mais oui. Bon, Orc 2. Attends, deux secondes, j'aime bien perdre du temps. Deux secondes, les amis, je peux contrer ce que tu as dit, Diavolo. Tu avais dit toi-même que t'étais avec ma version somnambule, si je me souviens. Si. Et donc tu affirmes ton alibi par rapport à moi. Mais en soi, le seul souci... Tu veux dire que normalement, je suis comme toi. Le seul souci, c'est que, en fait, ça s'est passé avant le meurtre. Par contre, pourquoi est-ce qu'on a peu de temps pour le class trial? Non, ça s'est passé après le meurtre. On avait que 25 minutes. On ferme là, Mondo. Ryoma, pas du tout. Je l'ai soigné avant le meurtre. Alors là, pas du tout. C'est même Monono qui l'a exécuté. Non. Je te confirme que non. J'ai soigné avant. Monono l'a exécuté parce qu'il est resté avec 3 personnes. Oui, j'ai volé avec moi et Peko. Et tu l'as soigné, il était 22h. Tu peux demander à Peko. Est-ce que je peux réfuter l'un de tes anciens arguments si tu me permets? Ouais. Ça veut dire que ton alibi il ne tient pas en place. Bah en soi moi j'ai rien à cacher vraiment. Pour ma part j'ai juste dit que j'étais avec ton toi. J'étais en train de le soigner. Il y avait rien. Effectivement. Et après c'est tout. Pour ma part après je suis monté à la piscine. Attendez les gars voilà. Les gars s'il vous plaît. Alors l'indice ennemi numéro 1 cible parfaite. Cible parfaite c'est à dire c'est une cible parfaite pour le tuer. Ça peut très bien être un suicide. Bah oui. Ça peut être un suicide. En fait, non, attendez, moi j'ai envie qu'on se focus pour les 9 minutes qui nous restent sur le O, le R, le C et le D. Pour moi, ça ne corde pas, à part le corde, mais en anglais, pour moi, ça dit rien en ce moment. En anglais, ça veut dire quoi en anglais? Oh putain, ça veut dire quoi ça déjà? Je sais plus, attends 2 minutes, je regarde dans ma tête. Ok. Google. En fait, ça veut juste dire quoi? Google. Ah, vous avez des Google, putain, mais... Je reviens. Ok. Y'a quoi, comment qu'on peut faire avec COR? Mais ça se trouve, les gars, en fait, comme un con, la corde. Eh, si on fait un jeu de chance contre vous, donc c'est-à-dire le rôle, est-ce qu'on peut avoir une lettre en plus? Tu vas y faire foutre, ferme ta gueule. Mais Nagito, mais putain, mais... Nagito, lui, c'est mon préféré, toi, Jimmy, j'espère que tu s'approches. Mais j'ai pas de mal avec toi. Est-ce que... Monono, dis-moi, est-ce que tu veux qu'on joue à pile ou face, tous les deux? Contre le chanceux, le chanceux, il a gagné la dernière fois. Ah, c'est Kibo qui veut, allez. Mais non, mais Kibo, Allez. Sache que, aussi, une chose... Si tu fais un pari avec moi, faut que tu assumes jusqu'au bout des actes. Oh merde. Bah dis-moi quelles sont les règles. C'est qu'il est un choix épique. Si tu paries ton défi, il te restera seulement 2 minutes. Personnellement, moi les gars, j'ai juste un truc à dire, c'est pas ouf, je pense qu'on va tous mourir. Moi je peux bien faire. Allez. Attends. C'est à moi. Vas-y. Yes. Allez. Bien joué. Alors, l'indice. Bah en fait, écoutez bien mes paroles, c'est pas tellement un indice, c'est un conseil. Alors, si je vous en dis un plus, vous le savez direct. Bah dis-le. Ah non, c'est ça mon indice. Si je vous dis un truc de plus, vous le savez direct. Ça doit être une lettre de l'alphabet. Et revenez aussi sur vos alibis. Sachez-le, revenez tous sur vos alibis. On est tous sur vos alibis. Donc si j'ai un plus... Attendez, là, je viens de noter, du coup, l'indice. Moi, j'étais tout seul, ça veut dire que c'est pas moi. Donc, attends, quand tu... Monono, quand tu dis, si tu nous dis un plus, c'est une lettre ou une phrase que tu nous dis de plus? Faut savoir. Un indice, tout simplement, une phrase. Une phrase, ok. Si nous dis une phrase, mais des phrases, il y en a des milliards, enfin...
Est-ce qu'il y a une suite à la citation qu'il nous a donnée? J'ai dit aussi, revenez oui. aussi sur vos alibis. Je cite actuellement deux personnes. Hein. Bah, du coup, Rantaro Kibo, Rantaro Kibo. Rantaro Kibo, ouais. c'est le seul alibi correct. Rantaro Kibo, on est d'accord, Monono vous a dit, ouais, il y a quelqu'un dans les conduits. On est d'accord. Donc, Monono, j'ai croisé Monono dans la classe, il m'a dit, il y a quelqu'un qui s'est barré dans les conduits. Donc, s'il te l'a dit, ça veut dire que cette personne a fait un meurtre. Donc, cette personne, du coup, doit suivre avec les mots suivants. Donc, je vais essayer de chercher dans ma tête. Je vais voir. C'est le numéro 1. Pour moi, qui a un couteau ici actuellement, à part Diavolo? Pas moi, moi j'ai une batte de baseball. Ça suit pas la route, ça suit pas la route, Kibo. Si t'as regardé, si t'as écouté Monono, si t'as écouté. Attends, si t'as écouté Monono, il avait dit que le couteau était encore sur l'arme du crime, mais vu que quelqu'un a réinitialisé le monde. T-R-A-T. Pico, c'est pas trop. T-R-A-T, il avait dit. T-R-A-T. Une tarte. T-R. Mais non, merde. Non, P-R-A-T. Un contrat. Un contrat. C'est pas un contrat. Contrat, bah oui, contrat. Bah non. Le D, tu fous le D. Il a dit un P. Attends, t'as dit quoi, un D, un P ou un T? Parce que là, tout se confond en fait, ton micro est... Ah quoi, j'ai rien dit moi. Si, t'as dit un truc. Je peux vous dire clairement la 10, mais vous voulez encore jouer à un jeu de Paris alors? Ok, okay. C'est Nagito qui le fait là. Non mais attendez, juste avant, attends. Bien joué Rantaro, je suis désolé. Vas-y, joue avec moi. Ah oh, putain. Putain, non mais c'est pas parce que Nagito est l'ultime sur ceux qui peuvent pas avoir le premier. Ça peut m'arriver de rater, hein. J'ai quand même été le premier à pas avoir le monopole. Ne joue pas. Rantaro, fais pas le con. Dans tous les cas, il nous manquera juste 2 minutes. Non, tu joues, t'as voulu, t'assumes. Moi, je veux bien jouer, si vous voulez. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Il m'a obligé, Faisais pas les mecs. Bon les gars, moi aussi c'est pas bon. On va tous mourir. Alors, il ne vous reste plus que maintenant. Alors, on va dire que à 2 minutes, vous avez plus le truc. Voilà, je vous en retire 2 minutes. Je suis sympa. Les amis, j'ai une conclusion. On va faire ce qu'il nous a dit. On revient sur nos alibis parce que les indices ils vont pas nous mener à grand chose pour l'instant. Ok, je peux parler. Alors moi j'étais avec Nekomaru et je pense que mon alibi marche complètement parce que j'ai resté toute la journée, vraiment toute la journée. Mais quand avec je dis toute la journée, d'accord. C'est depuis le début, depuis la campagne. Tu confirmes Nekomaru? Nekomaru. Il est absent. Rentaro. Ok, oh, on va dire qu'il confirme. J'étais avec Peko depuis le début. Tout à il a confirmé. Sachant que le meurtre était à 21h, je crois. Mais attends, Rentaro, s'il te plaît. J'ai une question. Bon. Moi perso mon alibi c'est que vous pouvez demander à Rantaro, je l'ai entendu et juste après il y a eu le meurtre. Moi perso c'est que ça mon alibi, mais je peux vous le jurer sur mon âme de robot que ce n'est pas moi qui ne l'ai tué. Ouais mais c'est pas en jouant sur mon âme de robot que... Ah non mais Hajime, comme je l'ai déjà dit, je ne tuerai personne. Crois-moi je ne mens jamais. Ouais mais et pourquoi tu tuerais pas? Je sais pas, non, ça y est. Non mais Hajime, ça ne m'apporte rien à moi de vous tuer. C'est un robot. T-A-P-R. Ouais. Et ben après c'est mélangé. Trap, ça veut dire trap. La confusion trap. Qui est un trap? Qui botte un trap? Non mais... j'avoue. Bah tiens. Je suis asexué. Non, pour de vrai, pas de vrai. C'est un robot. Bon fermez là, il nous reste 20 secondes. Monono lui a désigné le sexe mâle. Monono, je peux proposer quelque chose? Si j'ai réussi mon jet de vie, tu nous accordes un sursis de 20 minutes. Dans le cas contraire, je meurs. Oh putain, je veux ta vie, je veux ta vie. Ah, tu veux ta vie. Je veux ta vie. Ok, tu es sûr, tu assumes jusqu'au bout de tes paroles. Je vous laisse tous dire. J'assume. Tu veux combien de temps? 20 minutes. Un sursis de 20 minutes. 30 minutes, 1 heure. Tu paries ta vie, hein? Tu es sûr? Et on joue avec les bonnes règles. Et sachant que son dé vaut double, vu que c'est l'ultime chanceux. Son dé vaut double. Ouais, attends, dans le doute, ça veut dire quoi? Ta gueule, en temps. D'accord, désolé. Donc, ça veut dire que au-dessus de 50, je réussis, en dessous, je rate. Ok, ça marche, ça me va. Oh putain, on est connecté. Vas-y, Paris. Vas-y, je le fais. Nagito, vas-y, ma mère, Nagito.
C'est bon. Parfait, parfait, je voulais. Merde. Je voulais tous 10 minutes supplémentaires. Oh, Magneto, je t'adore. Magneto, je t'adore un canin. Le frérot. Le frérot. 10 minutes, c'est pas un canin. J'ai pas vu le rôle. On s'en fout, taisez-vous. On profite du temps. On se concentre sur 10 minutes. Ok. Oh, j'ai vu. Je ne vous, vous donne plus aucune parole. Par contre, que tous les mais attends, mon nounou. C'est concernant la personne ou pas? Vous ne m'avez plus vu. Voilà, c'est tout. Mais en fait, justement, c'est quoi? C'est son ultime, c'est son nom, c'est son prénom, c'est un lien vers lui. C'est quoi le Je ne dis rien. Oh. Parce que quand je regarde tous les prénoms, en fait, c'est impossible, en fait, qu'il y a les lettres suivantes. Et quand je regarde les ultimes aussi, donc. Non, en fait, ça suit pas. Mais par rapport à l'ultime! Par rapport à l'ultime, sûrement! Non. Trap. Et si ça concernait la personnalité de la personne? Et qu'elle n'était pas avec nous depuis le début. C'est-à-dire Mondo. Bah toi. Mondo. Tu m'as compris, hein, Diavolo. Ouais. Mondo, il est pas là depuis le début, il a jamais été là, on l'a jamais vu auparavant. Nagito non plus. Nagito, il était là depuis le début, dans les anciens cas, il était là. Ça fait mal au cœur, hein. Les gars. Et pas que, toi aussi t'étais pas là derrière Fomo. Je peux faire un truc. Nekomaru. Oh. Attends, il était à celle de. Adjime a un truc à dire. Oui. Bah vas-y. Ah bah non en fait. Non en fait. J'allais dire de la merde. Non en vrai, j'allais dire de la merde. Bon, je me base que sur de la chance. Trap. Je me base que sur de la chance, mais c'est la seule hypothèse que j'ai pour l'instant. Et Diavolo, tu m'as directement compris. Attends. Quoi? Oh putain, je pense que j'ai un. Attendez. Je réfléchis encore, attendez. Je pense qu'on devrait laisser Richard Diavolo. Je pense qu'il a trouvé la solution à toute cette énigme. Déjà, qui pense qui est le tueur? Déjà, qui pense que c'est moi? Au cas où. Je n'oserais pas lever la main, la vie de ma mère. Je sais pas. Non, appuyez sur le bouton vert si vous pensez que c'est lui. Personnellement, moi je pense pas que ce soit lui. Mais je sais pas, les gars. Qui pense que ça soit qui? T'as dit quoi? Qui pense que c'est moi le tueur? C'est des... Appuie sur le bouton vert, hein, ceux qui sont d'accord. Oui, mais certains pourraient se faire du coup appuyer sur le bouton rouge. On s'en fout. Putain, mais. Tu t'en fous, ok, ça. Qui pense que c'est Mondo? Moi, j'ai pas. Moi, c'est mon pied. J'hésite, moi, vraiment, mais. Y en a qui Mondo, il était Mondo. Pas seul par hasard. Mondo, il était le seul. Le problème dans Mondo, en fait, regardez, si je regarde son ultime, en fait, ou même tout ça, en fait. Il n'y a pas de C ni de P. Et donc du coup, ça sert à quoi ces lettres? Un rapport avec un ultime. C'est pas obligé que ça soit dans l'ultime. J'ai regardé son nom, son prénom et son ultime. Ça a aucun rapport, le C à aucun. Par rapport, il est motard. Il est motard. Donc, moto, je sais pas. Non, moto, non. Traptar, c'est quoi Traptar? Non, Star. Non, mais inverse les nerfs. Avec les lettres de trap, ça fait tard. Star. Ah, oh, ta gueule. Désolé. Patre. Moi, je dirais star. Ça fait patre. Attendez, si on peut faire tard, si on peut faire tard avec le T, le R, le A et le D, on obtient tard. Mais avec le P, O, R, C, un porc, non, ça peut pas être ça. Ouais, moi je suis un petit cochon, j'aime beaucoup les meufs. Oh mais ta gueule putain, tu parles pour rien. Quelqu'un peut du chat tortant dans les foutre sur la gueule? Par. Putain. Oh merde, je sais vraiment pas. Y'a personne qui a demandé à quelqu'un de partir avec de quelqu'un d'autre? Enfin, moi, mais il va pas le dire, le tueur, il va pas assumer. Si moi j'aimais pas être avec quelqu'un. Non mais. Y'a pas quelqu'un qui. À qui on a demandé de partir de quelqu'un d'autre? Si plein de fois on a demandé à Rantaro de se barrer, c'est tout. Mais ouais, mais Thibaut et Diavolo, mon nono, ils vont vous séparer aussi. Oui, c'est vrai. Continuez le tour, moi j'aime bien voter pour quelqu'un. C'est seulement sur le contraire de mon nono qui vous oblige à rester à deux, c'est pour ça que vous lui demandez de partir. Sinon, ça n'a aucun sens. Il nous a pas empêché de nous remettre en groupe, puisque moi j'ai pas voulu me remettre en groupe, déjà parce que ça aurait fait des chiffres impairs. Il y aurait forcément eu quelqu'un qui aurait été en solo, et Monono m'a donné de quoi me protéger dans tous les cas. Donc je préfère rester en solo pour éviter de blesser quelqu'un. D'ailleurs, c'est maintenant que je vais dire ce que j'avais. Un moment, avec Nekomaru, on a trouvé ça.
Trouver quoi? Bah regarde. Ah ça c'est à Kibo ça. Ça c'est à Kibo. Non c'est un fusil à pompe. Kibo il avait une carabine. Oui j'ai une carabine moi, j'ai pas un fusil à pompe. Et j'ai toujours ma carabine. Ah oui d'accord, bah non. Du coup donc ça peut aider quelqu'un. C'est peut-être non mais c'est peut-être le cadeau dont parlait Monokuma tout à l'heure. Tu sais qu'il avait posé quelque part. Non. Oh, peut-être. Putain mais vraiment c'est chaud. Écoutez, il faut vraiment chercher parce que bon, je pense que comme on l'a dit, les indices ils vont pas nous mener à grand chose. Il nous l'a dit lui-même, Monono. Faut qu'on essaie de réfléchir aux indices qu'il nous a donnés. Si... Ce qu'il nous a conseillé de faire, c'est de parler de nos alibis, malheureusement. Et je vois que ça. Déjà, c'est un mot... Déjà, il faut savoir c'est un mot en anglais ou en français qu'il nous a donné, en fait. Qu'il faudrait nous donner un indice. Bah oui, c'est un mot en anglais ou en français, Monono. Non, ça sert à rien, il a dit qu'il parlerait plus. Non, mais dans tous les cas, dans tous les cas, en fait, on est obligé de savoir, parce que sinon, là, littéralement, on peut pas savoir, en fait. On peut littéralement mais ça n'a aucun sens. Pourquoi il mettrait un mot en anglais? Monono, j'ai pris de reposer cette arme. Il a déjà fait des mots en anglais. Il a déjà fait des mots en anglais. Seulement en français. C'est deux seuls mots. Les gars, en vrai, pas faire d'autres mots. Monono, s'il vous plaît, est-ce que c'est un mot en anglais ou en français? Non, forcément, il va rien nous dire. Bon, bah, putain. On est censé faire quoi là? Bah en ouais, fait, évidemment. Dommage, c'était un beau calibre. Ouais, mais de toute façon, on a que deux choix possibles. Écoutez, Monono, anglais. Ah, Jimmy, je vais donc demander à Rantaro qui me demande qu'est-ce que tu veux, Rantaro? Je voudrais savoir si les lettres qu'on a trouvées correspond à un mot en français ou un mot en anglais. Alors, pour le premier c'est français et le deuxième c'est anglais. Ok. Trap. Okay, donc un trap c'est un piège, tout simplement. Oui. Piège, quelqu'un. Oh, mais Byakuya du coup s'est fait piéger. Voilà. Oui, mais piégé par qui et par quoi surtout? Drogo, je sais pas. Attends, Drogo. Le premier mot, t'as mot. C'est quoi les autres lettres? Pourquoi Drogo avec Byakuya? Je suis la dernière personne à l'avoir vu normalement. Non, DRCO, en douille. Non, Nekomaru et moi, on l'avait vu un moment, nous aussi, je crois 2-3 heures avant, je crois. On y est presque, les mecs. Avec qui? Tout seul? Corde! Un corde? Piège à la corde, je sais pas. Non, bah non, il est mort par un couteau, qu'est-ce que je suis con. Je confirme. Ok, qui a pu aller? Surtout, il faut savoir aussi. Le très franchement, le langage qui est dit ennemi numéro 1 cible parfaite, ça pourrait être un Cédéro, truc que je pourrais dire. Cédéro, un Cédéro, je sais pas. Ça veut rien dire. Ça correspond à un CD, ça correspond à un ordinateur. Bah, je sais pas. Un CD, c'est. C'est fou comme tout pointe sur moi alors que c'est pas moi. C'est con. Ah bah, je sais pas, bah non mais. Y'a aucun mot qui mène français avec ces 4 lettres. Y'a aucun mot français. C'est peut-être qu'il nous manque. Attends, Monokuma, quand tu lances le castriel, c'est qu'on a bien trouvé tous les indices. T'es sûr qu'on en a pas oublié? Donc, attendez, ça veut. Les gars, le petit. Vous en avez oublié. On en a oublié un. Ah, corde. Et pourquoi une corde? Mais non, bah en fait, je l'explique juste. Monono, en fait, t'as commencé le castriel avant que ça se finisse, donc ouais. Ouais, j'avoue, vous avez commencé. Ah, vous étiez long, et moi j'attendais hein. On était long, il restait 7 minutes. Attends, Monono, tu avais laissé 3 étages. 3 étages. Tu nous as laissé 20 minutes, 25 minutes pour 3 étages. Et en plus, t'as arrêté avant. Vous avez trop. Ne coupe pas la parole, sinon tu risques de finir exécuté. Comme le tueur. Alors, sachez qu'une chose. Si je vous ai laissé, c'est que. Il y avait bien une raison. Non, ça allait être trop facile. Ça serait trop comme facile, le tueur, exactement. Ça veut dire on pointe quelqu'un depuis tout à l'heure, je sais pas. Cible numéro 1, cible parfait, oh là là, vas-y, ça mène à rien tout ça en fait. Le premier mot il mène à rien. Ah, le tout ah, Diablo, t'es stupide. C'est pour ça que je vous dis les gars, on arrête de se concentrer sur ces mots. On a fait sur depuis tout à l'heure. On doit arrêter de se concentrer sur ces putains de mots, les gars. Le nom de le nom de code de Kibos c'est K1 50. Mais je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Il y a un truc qui est les gars. Mais les gars, il y en a qui sont seuls. Qui était seul à part il y a un alibi qui cloche. Il y a un alibi qui cloche entre celui de Rantaro et celui de Kibos. Mais entre eux et Julia, leur alibi, ils sont. Bon bah, il me coupe la parole, bon bah, démerde-toi. Kibos, vas-y.
Kibo, Rintaro, au moment où vous êtes séparés, vous n'étiez pas tout ensemble. Non, mais moi, tu m'as dit, mais si tu m'aurais laissé parler, on fermez-la tous, écoutez mon nono. Alors, sachez que vous pouvez pas te la dire. Alors, Rintaro et Kibo, c'est quand même bizarre, ils sont près de la pièce et. Voilà, j'ai fini par ma phrase. Ok, c'est Kibo, je pense. La pièce et vous avez vu. Kibo, je pense. Et c'est fini. On a vu quelqu'un. Attends, on a vu qui? On a vu. Alors sachez que ce que je voulais dire, c'était en gros que vous étiez près de la pièce et pourtant vous avez vu, vous m'avez vu. Voilà. Enfin bref, nous allons passer au vote. Donc ouais, je vais le faire le vote ici parce que bon, le système est un peu cassé. Hein. Donc tu votes pour qui? Vous êtes obligé de voter, sachez-le. Par l'écrit, par l'écrit. On va tous mourir. Voilà. Triste vie. Mais par contre, mec, le casserelle, enfin, genre, c'était abusé. Hein. Ah, j'en ai pas de OC, merci bien. Merci de pas gag, regag tout le monde. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais marquer, s'il te plaît? C'est Komaru. Ok, un pour Kibo. Deux pour Kibo. Trois. Un pour Keito et deux pour Kibo, toi. Commando, ok. Tu votes pour qui, toi? Bon, on va faire ça. Toi, tu penses pour qui? Ok. Toi, tu votes pour qui? Doucement, tu vas pour qui, je répète? On va demander après. Tu vas pour qui? Foul. Tu vas pour qui? Ok. Tu vas pour qui? Alors, vous allez... Alors, je suis un peu déçu. Voilà, on va mourir. Trop tard. Déjà. C'était... Alors, le coupable était Byakuya Togami, qui vous a totalement piégé de A à Z. Je vous explique. Alors, sachez qu'il est... Alors, laissez-moi vous expliquer. Alors, sachez que la cible d'affaires, c'était lui-même. Une cible totalement parfaite. Il pouvait se tuer lui-même, sa cible d'affaires. Il était l'ennemi numéro 1. Corde, qui voulait signifier au mode suicide, et trappe, parce qu'il vous a piégé. Parce que vous croyez tous qu'il était Kibo. Kibo et Rantaro, vous trouvez pas cela bizarre. Vous étiez près de la pièce et vous avez vu personne rentrer ni sortir. Surtout que le conduit d'aération ramène directement au truc. Et ça veut dire qu'en fait on peut pas faire machine arrière en fait. On peut passer seulement dans un sens et pas dans l'autre. Voilà tout. Ah, vous allez tous finir exécutés, aussi bien tous. Monono, j'ai un truc à dire. Attends, mais putain, mais... Mec, trappe à quel moment... Les gens, déjà, attends, non, attends, Monono, laisse-moi parler. Attends, il est où? Faut que je lui dise un truc. Attends, Monono, faut que je te dise un truc. Viens là, mon petit traite à moi, voilà. Bonne chance. Désolé, j'étais le mastermind. Je suis désolé. Sachez en fait qu'il vous a... Il s'est poignardé avant de se tuer, avant de mettre son arme du crime dans les conduits d'aération, et avant son dernier souffle, il s'est mis côté Molotov. Le seul souci, Monono, c'est que pour savoir qu'il les avait piégés pour le mot trap, c'était... C'était quand même pas évident, mais il fallait quand même réfléchir. Et surtout qu'il y avait beaucoup trop d'indices qui... Mais de quoi de corde?
Cœur ne veut rien dire. Vous tuez avant qu'on se suicide. Écrasé. Cœur. Mourez, mourez. Moi, je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh mes gars. Wow. Alan Kina, moi. Beko, je t'aime. Vous voulez faire un Kina. Pour les deux personnes qui restent, qu'est-ce qu'on fait? HRP, bon, les gars, si vous m'entendez encore, attends, faut... Ah ouais, faut démoter, faut ragdoll tout le monde, attends, faut expliquer. On a survécu. La... Beko. Bon. Mais ouais, mais les indices, j'ai oh, rien j'ai une compris, veste blanche. Ouah, si si beau gosse. En fait, le moment, en fait, où les indices, en fait, surtout que Kibo et Rantaro, ils avaient pas vu. Ils avaient dit hein, que c'était, ils avaient dit que c'était un suicide. Echo, il y a une chose auquel je suis pas d'accord, c'est le mot trap. À quel moment on pouvait savoir qu'il nous a piégé en fait? Ça c'est littéralement genre clairement. Bah non, mais après c'était un indice ajouté. Non, mais il a voté. Mais mec, à la fin j'avais envie de vous dire c'était Baikouya, à la fin c'était... Vous avez voté pour le bande de trucs. Même Thibaut a dit... Fermez vos gueules, vous vous rendez fou là. Attends, même Thibaut a dit que c'était... Qui? Ils écoutent les pas. C'est du HRP, vas-y viens. Monono, une chose, normalement on est d'accord que tu n'as pas le droit de mentir. Non, j'ai pas le droit de mentir. D'accord, alors pourquoi tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui s'est barré par la ventilation? Parce qu'il s'est barré dans la ventilation de base. Dans un premier temps, il s'est barré dans la ventilation. Alors qu'il était mort. Il était mort. C'était trop facile, Simon. Donc, tu as déjà tué mon revolver. Vas-y, si tu veux, je te donne mon revolver. Après, je suis pas monoku. J'ai envie de tuer des gens. C'est facile. Ouais, on sort pas. Sinon, juste, Monono, on revient après. Dans le manga, ça fait pas mal. Putain, tout le monde a survécu à l'exécution. Quand je suis pas Monokuma, sache-le que je suis pas Monokuma. Parle après si tu veux, mais. Mets-toi à genoux là, chou-fleur. Non, laisse-moi terminer. Je vais pas terminer. Mets-toi à genoux. Allez, vous pouvez tous prendre des armes. J'ai pas d'armes. Eh, ouvre. Attends, GG, Diablo. T'inquiète. Allez. Ah, toujours à la place, toujours à la bonus. This is the end.